inside your self-righteous symphony. I would rather let this go than to bring it up again. But everyone I know, they're afraid, afraid of their own skin. With nothing left to show, I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. I've been
Salut les beautés en herbe. Alors finalement, ça coupe ou ça coupe pas? Forcément, ceux chez qui ça coupe, bien ils vont le dire, et ceux chez qui ça marche bien, ils vont pas le dire. Quand ça marche bien, faut le dire quand même. Du coup, je fais un live un samedi au lieu de le faire le vendredi, car j'ai eu un vendredi compliqué, j'en toucherai deux mots. Également, j'avais prévu un live dans lequel j'ouvre mes privés sur Instagram, et finalement, j'ai changé d'avis parce que là, ça va être un live un peu plus court, étant donné qu'il est déjà 6 heures. Je pense qu'on va ouvrir mes privés Instagram la semaine prochaine, parce qu'effectivement, à mon avis, on a beaucoup et on aura au moins besoin des 3 heures. Là, aujourd'hui, du coup, comme c'est samedi, ben, on va faire un petit Get Ready With Me. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'également, eh bien, vous avez la musique? Et est-ce que la musique n'est pas trop forte? Alors, décalage son-image. Effectivement, j'ai remarqué ça dans mon dernier live. À chaque live, il faudrait limite que je règle. Et c'est fatigant, hein, effectivement. Donc, on va regarder si effectivement je peux re-régler le décalage son-image. On avait mis 1000 millisecondes. On va essayer de remettre à 500. Que 500, c'est mieux. Dites-moi si 500, c'est mieux. Vous avez l'image avant ou le son avant? À 1000, c'est pas bien puisque c'était à 1000, Romizizi. Et 1000, ça marche plus. Ça a marché pour un seul live. Bon, j'ai l'impression que la webcam, elle est un peu haute. Je vais la baisser un petit peu. On va éviter de faire trop de bruit. Oh là là, le micro, il va... faire du bruit. Voilà, ça sera mieux comme ça, effectivement. On a l'image avant et le son après. C'est dingue. Là, c'est bon. Ah, il faudrait savoir. Oui, bah c'est sûrement, oui, voilà. C'est parce que j'ai remis à 500. Alors, il y a un live où on avait mis 1000 et ça marchait. Et maintenant, on est retourné à 500. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas automatique, en tout cas, le réglage du décalage. Donc, on fera ça manuellement en chaque début de live. Alors, sinon, aujourd'hui, donc, Get Ready With Me avant l'anniversaire de Portos, parce que nous, on va faire l'anniversaire de Portos. Eh oui. Alors, on ne sait pas quel âge il a, hein. Il est assez âgé, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça fait 4 ans qu'il est venu habiter avec nous. Donc, eh bien, anniversaire des 4 ans de Portos. Voilà, donc sinon, autre chose qu'on va faire également, très important, on va ouvrir un petit colis. C'est un colis... Alors, à votre avis, tiens, on va voir si vous êtes... on va voir si vous êtes fidèle, si vous avez bien suivi toutes les histoires. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Ah, j'attends vos pronostics. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire un petit tour sur le gestionnaire de stream, parce que visiblement, il y a eu des mises à jour. Il y a eu des mises à jour chez Twitch. Et effectivement, j'ai pris la nouvelle version du gestionnaire de stream parce qu'elle me semble plus légère, elle fait moins ramer mon PC et j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, alors carte correcteur de blanc, ça venait d'AliExpress, c'est pas encore arrivé malheureusement, hein, parce que ça fait moins d'une semaine. Enfin, ça fait une semaine et un jour, hein, pas moins d'une semaine. C'est la sonde à Sudem. Effectivement, j'ai déjà reçu la sonde pour colorer, enfin pour colorer rien du tout, pour corriger les couleurs de mon écran. Pour information, mon écran, au lieu d'afficher du blanc, il affiche du jaune. Et ça m'agace un petit peu parce que quand je fais la retouche d'image, bah, du coup, j'ai tendance un petit peu à corriger du jaune qui n'existe pas. Donc, normalement, j'ai reçu la sonde. Le paquet est très souple, très mou. J'ai pas l'impression d'avoir un paquet, vraiment. C'est marqué fragile dessus. J'espère que ça arrivait en un seul morceau. Et c'est pour ça qu'on va l'ouvrir ensemble, hein. Donc j'attends juste encore quelques secondes que les gens arrivent, que les gens s'installent et ensuite c'est parti, on va pouvoir eh bien déjà commencer par ce paquet. Non, on commencera pas par ce paquet, on va plutôt commencer par expliquer pourquoi il n'y a pas eu de live hier et expliquer également qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Bah oui, parce que au niveau de YouTube, vous pensez bien qu'il s'est passé des choses. Et je pense qu'on commencera tous les lives comme ça par expliquer ce qui se passe sur YouTube. Même si finalement, cette semaine sur YouTube, ça a été plutôt sympa et plutôt calme. Alors en tout cas, moi je remercie déjà pour commencer Kakutik qui m'a suivi il y a 12 minutes et Nobody Camera 383 qui m'a suivi il y a une seconde. Vous allez donc maintenant recevoir les notifications.
Et à chaque fois que je serai en live, eh bien, tout simplement, eh bien, vous serez tenu au courant et vous ne louperez plus aucune diffusion en direct. Effectivement, bah, du coup, comme par exemple aujourd'hui, vous voyez, c'est un live, c'est pas les horaires habituels. Eh bien, ceux qui suivent ma chaîne, qui cliquent sur le petit cœur, eh bien, autour du lecteur, eh bien, tout simplement, ces personnes-là ont tout simplement, eh bien, le privilège d'être au courant que je suis en direct. Par quoi commencer ? Par quoi commencer ? On est combien ? On est combien ? On est 47 en moyenne. Moi, j'aimerais bien savoir en temps réel combien on est. Alors oui, comme c'est une nouvelle version, hein. Je me suis à peine habitué à la première version du gestionnaire de stream que voilà, on m'en met déjà une deuxième. Donc bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va réapprendre tout ça. 47, moi j'ai 51 en moyenne. Ah, alors, est-ce que ce serait une moyenne qui m'affiche ou est-ce que ce serait le compteur en temps réel? Je ne sais pas. En tout cas, il y a la Kikine de Feuge qui, tout simplement, eh bien, suit mon stream, qui va recevoir les notifications et qui ne loupera plus aucun live. Allez, on va commencer. Hein. On est plus de 50, c'est déjà énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Bon, hier au matin, pour commencer, ça a commencé comme ça. J'avais un rendez-vous à l'hôpital pour faire un examen. Je suis pas malade pour le moment, je suis juste en train de faire des examens pour voir si je suis malade. Donc, c'était une épreuve d'effort. Alors, l'épreuve d'effort, le but, c'est de faire du sport très intensif en très peu de temps avec plein de sondes de partout pour voir si effectivement mon corps déconne ou pas. Et comme je vais 2 à 3 fois par semaine à la salle de sport, hein, eh bien, effectivement, je me suis dit, ça serait quand même pas mal de vérifier si je peux pousser un petit peu au niveau cardio ou s'il vaut mieux pas. Bon. Donc j'arrive pour l'épreuve d'effort et là, bon, j'avais déjà vu un premier pneumologue il y a quelques semaines, si vous vous souvenez bien. Voilà, j'avais fait les gaz du sang, j'avais le bleu bras, enfin le bras bleu d'ailleurs plutôt, enfin bref, etc. Là, je suis tombé sur une autre pneumologue qui m'a refait une consultation limite complète. Hein. La première consultation a disparu parce qu'elle m'a tout redemandé, enfin bref. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a un truc important, mais avant, on va remercier quand même Copper647 qui me suit, qui va recevoir toutes les notifications et qui ne loupera plus aucun live. Donc, elle me fait un petit entretien avant de faire l'épreuve d'effort, et puis elle commence à me dire « Donc, c'est vous le blogueur ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » Alors, ça y est, hein, ma réputation, mon nom a déjà fait 3 fois le tour de l'hôpital, enfin bref. Et elle me dit c'est quoi le nom de votre blog? Ah, je dis c'est beautéenherbe.com. Ah oui. Elle me dit donc vous utilisez des cosmétiques? Ah, je dis bah oui. C'est des cosmétiques que vous achetez ou? Je me dis mais quel rapport? Elle me dit c'est des cosmétiques naturels ou? Bah, je dis écoutez, des fois je les achète, des fois je les reçois. Hein. Maintenant oui, des fois c'est des produits naturel et des fois c'est des produits sûrement pas naturels. Elle me dit oui d'accord, mais vous n'allez quand même pas dans les champs cueillir des plantes pour faire vos cosmétiques. Et là je dis ah non non pas du tout hein. Et je dis d'ailleurs moi je vous ai toujours dit que faire soi-même ses cosmétiques ça pouvait être parfois dangereux, qu'il fallait faire attention avec les huiles essentielles tout ça, donc je lui explique, je lui dis moi ma vision des choses c'est quand même qu'il faut acheter des trucs faits par des laboratoires, par des chimistes etc. et que faire soi-même ça peut être un dangereux. Elle me dit ah, c'est pour ça que je vous posais la question, je ne voulais pas vous le dire, mais effectivement, voilà. En fait, elle voulait savoir si je faisais moi-même mes cosmétiques, car ça aurait pu expliquer mon état de santé. Je l'ai rassuré, je lui ai dit que même si c'était naturel ou chimique, en tout cas c'était fait par des laboratoires, hein, acheté en magasin ou acheté sur internet, ou ben, c'est les laboratoires qui m'envoient des produits, mais c'est des trucs aux normes européennes, etc. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que le naturel n'a pas que du bon, et même finalement dans les centres de pneumologie, eh bien on est en train de se poser la question des gens qui font eux-mêmes leurs cosmétiques. Donc voilà, hein, vous n'êtes pas chimiste, alors peut-être qu'il y a des chimistes parmi nous, mais la majorité n'est pas chimiste, vous n'êtes pas expert et vous n'avez pas le matériel nécessaire pour peser au milligramme près ou au demi-milligramme près les composants dans vos cosmétiques. Donc, bah voilà. Moi, mon opinion restera la même sur le fait maison au niveau des cosmétiques. Peut-être que c'est pas la meilleure des choses. Voilà. Donc, sinon, après, on a fait l'examen, bien entendu, l'épreuve d'effort. Donc, on m'a fait 2 fois les gaz du sang. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, bah, les deux bras sont bleus. Alors, ils sont pas encore très bleus, mais il est possible que sur YouTube, vous voyez mes bras complètement bleus. Ben, voilà, c'est l'examen, hein, comme d'habitude. Et
Bah, alors, quel est le résultat de cet examen? Je vais quand même vous tenir au courant, puisqu'à mon avis, c'est important que tout le monde le sache. Bah, il est catastrophique. Hein, voilà. Donc, je vais devoir aller voir un cardiologue et faire également un scanner des poumons. Voilà. La tension n'était pas bonne également. Donc, voilà. Bah, du coup, je me suis posé une question, moi, quand j'ai fait cet examen. Est-ce que j'ai une mauvaise tension parce que je m'énerve, ou est-ce que je m'énerve parce que j'ai une mauvaise tension? Eh bien, écoutez, on verra tout ça avec les médecins compétents. Voilà pour ma journée d'hier. Donc, elle n'a pas très bien commencé. Et puis après, je me suis embrouillé avec Monsieur Beauté en Herbe. Et voilà, ça plus une embrouille. Je me suis dit, si je fais un live, ça va être un live complètement pourri. Donc, voilà, comme c'est du direct, on ne peut pas faire du montage. Je me suis dit, autant pas faire de live aujourd'hui. Hein, voilà, on a été prendre l'air avec Monsieur Beauté en Herbe. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais effectivement, je pense qu'hier, c'était pas la bonne journée pour faire un live. Du coup, ben, j'ai essayé d'en faire un aujourd'hui, mais effectivement, bon, comme on prépare en même temps l'anniversaire de Portos, il sera un petit peu plus court, ça va être 18-20 heures, je pense. En fait, j'attends un message de Monsieur Beauté en Herbe, parce que Monsieur Beauté en Herbe doit m'envoyer un message dès qu'il a fini de préparer l'anniversaire. Donc, ça sera pas avant 20 heures, à mon avis, parce qu'il a commencé très tard. Mais effectivement, c'est possible qu'on aille jusqu'à 20h30 si c'est pas encore prêt. Mais voilà, sachez qu'à tout moment, c'est Monsieur Beauté en Herbe qui va décider de la fin de ce live. Alors, si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il fait Monsieur Beauté en Herbe? Il est en train de nous faire des lasagnes maison avec des pâtes fraîches. Donc, c'est pour ça que ça va lui demander un petit peu de temps. Et c'est pour ça qu'on a 2 heures au moins pour le temps qu'il fasse ses lasagnes, etc. Et je suppose qu'il y a d'autres petites choses qui sont préparées. Hein. Bon, je vous ferai peut-être des petits snaps. Puis en plus, on a les petits cadeaux à donner à Portos, parce que Monsieur Beauté en Herbe a fait 2 cadeaux pour Portos. Donc oui, peut-être sur Snapchat, vous aurez des petits scoops, mais pas des photos. Hein. Et puis alors non, il n'y a pas de déco. Hein. On n'a pas à décorer l'appartement, etc. De toute façon, on fait ça chez sa maman, parce que ici, moi, je suis en live, donc ça n'aurait pas été possible. Mais voilà, donc pour information, on arrêtera, je sais pas quand. 20h c'est le minimum, ça peut aller jusqu'à 20h30, ça peut aller jusqu'à 21h. Et ma musique se coupe, donc je vais la redémarrer. Pourquoi on n'arrive pas à voir tes snaps? Ah, moi je sais pourquoi. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez encore là? Parce que ça coupe, la musique, est-ce que le réseau coupe? Que se passe-t-il? Mayday, on va aller voir sur le nouveau gestionnaire de stream. C'est en direct et le direct est excellent, donc normalement je pense que le son... En tout cas, le micro fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas mes snaps? Parce que visiblement, j'ai tellement de followers sur Snap que je suis considéré comme... comment on appelle ça? Je ne saurais pas dire. Une personnalité? C'est-à-dire que mes snaps, en fait, atterrissent tout simplement dans la partie avec les personnalités. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. J'y vais jamais là-dedans, moi. Vous voyez, on va ouvrir Snap. Ce sera plus simple, sinon vous n'allez rien comprendre. Effectivement, quand on va dans Snapchat, on démarre Snapchat. Bon, vous avez au niveau du chat, normalement, les snaps et puis maintenant les stories, hein, parce qu'ils ont tout mélangé, de vos amis. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez les stories des amis, encore une fois, il me semble. Les abonnements et les pour vous. Voilà, ça s'appelle les pour vous. Bah, dis donc, vous voyez, je suis vraiment plus dans le coup, moi. Bah, visiblement, j'apparais dans les pour vous. Mais j'apparais pas dans les snaps de vos amis. De toute façon, c'est impossible que vous apparaissiez dans mes amis. Ma liste d'amis est pleine sur Snapchat. C'est limité à 4000 amis. Et moi, j'ai accepté 4000 amis et je ne peux plus en rajouter. Donc, vous voyez, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, peut-être que Word Direction, toi, tu es dans mes amis parce que tu m'as demandé au début. Maintenant, effectivement, si vous me faites une demande d'amis aujourd'hui, ce ne sera pas possible parce que ma liste est pleine. Et bon, c'est pour ça que Snapchat... Bon, quand je fais un snap, quand même, il est vu plus de 10 000 fois. Hein, donc, ça marche mieux que les vidéos YouTube pour moi, les snaps. Donc, voilà, je continue à en faire. Je me dis qu'il y a quand même des gens qui reçoivent le message. Et c'est vrai que Snapchat, je trouve ça bizarre. Et franchement, je sais pas trop comment ça fonctionne. J'envoie des trucs. Ils sont regardés. Je sais pas si c'est des gens qui me suivent qui les regardent, du coup, parce que j'apparais dans les pour vous. Mais voilà, ça marche quand même, mais je sais pas comment ça marche, voilà. Allez, on va remettre la musique quand même, j'ai actualisé la page. Petite musique, donc bien sûr, faite par No Copyright Sound, ce sont des musiques gratuites qui n'ont pas de copyright. Vous avez un lien en dessous de cette vidéo. Je vais prendre cette chanson-là, qui a un titre qui est intéressant.
Alors, mon Snap, c'est le même pseudo qu'ici, c'est Mandragore59V1. Hein. De toute façon, mis à part sur Facebook, parce que je ne pouvais pas le faire, mais sur tous les réseaux sociaux, c'est Mandragore59V1. Et sur YouTube également, je cherchais le mot. Oui, YouTube, sur YouTube également, c'est Mandragore59V1 à l'origine de mon pseudo. Bon, bah écoutez, la musique ne fonctionne plus, c'est triste. Pourquoi tant de haine ? Donc vous avez le pseudo normalement. Ah, la musique est de retour. Ah, ça fait plaisir. Vous avez normalement le pseudo d'ailleurs qui s'affiche sur l'URL de ce live. Hein, donc voilà. Mais après, voilà, je sais pas vous de votre côté comment vous faites pour m'ajouter. Parce que ne m'ajoutez pas en ami, ça sert à rien. Est-ce que vous pouvez me suivre sans m'ajouter en ami ? Je sais même pas comment ça marche. Tout ce que je sais, c'est que mes stories sont publiques. Après le reste, je sais pas comment ça marche. Si vous savez, expliquez-moi. Enfin bref. Donc ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler. Pourquoi il n'y a pas eu de live hier. Également, bon ben, je vous tiendrai au courant sur mon état de santé. Hein. Moi, niveau moral, ça va super bien. Hein. Maintenant, j'espère que ça va aller aussi dans l'avenir. Hein. Voilà quoi. Sachez que il se peut qu'il y ait des moments où j'ai des rendez-vous médicaux, où j'ai ceci, où j'ai cela, et donc ça va faire des semaines un petit peu plus compliquées pour YouTube et pour les lives surtout, vous voyez. Bon, parce qu'on choisit pas en plus les dates et les horaires des rendez-vous médicaux. J'ai découvert ça. En tout cas, dans le Valenciennois, les hôpitaux sont tellement saturés qu'on vous dit c'est tel jour à telle heure et t'as pas le choix de dire oui ou non. Hein. D'ailleurs, je demande les salariés comment vous faites pour prendre rendez-vous chez les médecins parce que ben, vous êtes occupés quand même. Hein, mais moi, on m'a bien fait comprendre que c'était tel jour à telle heure et que si je disais non, ben, j'avais rendez-vous 3 ans après. Hein, donc... voilà. Si tes stories sont en public, on peut s'abonner à ton Snap, mais pas forcément envoyer de message. Mais moi, normalement, mes stories sont en public, hein. C'est ça aussi le truc. Hein. Je vais revérifier, hein, si tant est que je trouve comment ça fonctionne, mais... de toute façon, quand je fais un Snap, j'ai le choix en plus de le mettre en privé ou en public. Voilà, je fais envoyer. Voilà, j'ai ma story uniquement et notre story. Alors notre story, je sais pas ce que c'est. Mais je vois les stories, mais on n'est pas amis. Voilà, donc non, c'est public, mais après je sais pas comment vous devez faire pour voir mes stories. Il faut sûrement vous abonner, mais pas m'ajouter dans la liste d'amis. Et comment on fait ça? C'est pas public car j'arrive pas à m'abonner. Bah oui, mais non, mais si, c'est toi qui plantes. Moi, c'est public. Et d'autres personnes le disent que c'est public. Ou alors, c'est que tu es banni. Et ça, c'est un autre problème, ça. Moi, je vais revérifier si c'est... Parce que là, j'ai fait un snap et visiblement... Vous voyez, j'ai même mon snap qui est tout moche qui a été publié. Allez, on va supprimer ça quand même. Vous voyez, il y avait déjà plein de vues sur mon snap alors qu'il vient d'être envoyé à l'instant. Non, dans les paramètres. Allez, on va configurer Snapchat, nom d'utilisateur, ma story. Ma story, tout le monde. Hein, moi, c'est marqué. Hein. Ni. C'est le tout le monde qui est coché. C'est le premier. Voilà, ça fait pas la mise au point parce que c'est une webcam premier prix, hein, phare que j'investisse. Je vais contacter Logitech, non, je vais leur dire il me faut une webcam. Je peux pas faire mieux. Bah écoute, moi j'ai vérifié sur mon téléphone et mon profil Snapchat à XLVRS. Donc non, tu dois pas bien faire les choses parce que moi c'est tout le monde. Hein. Me contacter c'est que mes amis, mais voir ma story c'est bien tout le monde. Et c'est encore marqué là, tout le monde. Là. Si tant est que vous voyez quelque chose, parce que c'est écrit petit. Mais voilà, c'est tout le monde. Vous voyez, vous verrez rien. Moi, je peux pas faire plus, mais c'est vrai que beaucoup de personnes regardent mes snaps. Par contre, il y a beaucoup de personnes aussi qui me disent « j'ai pas accès ». Ah, je sais pas. Et c'est depuis qu'ils ont fait leur truc, là où on n'avait plus vraiment accès aux stories, où on a des pour vous, des machins, des trucs. Depuis ce temps-là, ça a commencé. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais même arrêté Snapchat, parce que tout le monde me disait « je vois pas tes snaps ». Puis finalement, je me suis rendu compte que si, beaucoup de personnes les regardent parce qu'on est plus de 10 000, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à les voir. Peut-être qu'il y a une liste de... je sais pas. Non, je sais pas, non. Si t'as essayé sur plusieurs téléphones, c'est même pas un problème de profil banni ou j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, alors, on va refaire un petit
point sur les subs parce que on a Mapa qui m'a suivi il y a 8 minutes. Également, il y a Lamazorus qui m'a suivi il y a 6 minutes. Et Soukena Jamaledine qui m'a suivi il y a 5 minutes. Merci à vous. Vous allez donc recevoir les notifications et vous ne louperez plus aucun live. Il y a une autre chose qui s'est passée cette semaine. Allez, on va parler de cette semaine, mis à part de ma journée d'hier qui n'était pas terrible. Cette semaine, il y a un streamer youtubeur qui a parlé de moi, que je ne connaissais pas, ou alors je le connaissais. Son visage me disait quelque chose, mais son pseudo ne me disait rien, mais visiblement il a plusieurs chaînes YouTube, enfin bref, c'est complètement compliqué. Il s'appelle Kirby, et visiblement Kirby a dit tout simplement qu'il appréciait, entre guillemets, mon travail, ou plutôt il trouvait que j'avais du courage de faire ce que je fais. Et alors là, vous êtes partis dans un délire, mes amis, limite vous êtes en train d'organiser un mariage sans qu'on soit au courant, quoi. Calmez-vous un petit peu, hein. Voilà, voilà. Donc, bon, en tout cas, je voulais le remercier, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Du coup, je me suis abonné à une de ses chaînes YouTube, et visiblement, il en a plusieurs, mais c'est pas facile de trouver toutes ses chaînes. Il faudrait que j'aille le voir un jour en live, peut-être, pour le remercier. Mais en tout cas, déjà, je le remercie ici. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube? Pas grand-chose, si ce n'est que vous avez été quand même pas mal à regarder mes vidéos. Donc, je vous remercie également, parce que vous êtes nombreux en ce moment à regarder mes vidéos, et donc, ça fait plaisir. Donc bien sûr, si vous vous demandez quelle est ma chaîne YouTube, vous avez tous les liens en dessous de ce live. C'est Beauté en Herbe, tout collé avec un S, car on est nombreux au niveau des Beautés en Herbe. Et ben voilà, hein, c'est cool. Alors on va juste appeler notre ami de toujours. Effectivement, bodyguard, parce que je sens qu'il y a des personnes qui commencent à être un peu tatillonnes, donc... Ça va permettre de les bannir automatiquement, car la semaine dernière, il y a quand même eu pas mal de personnes qui ont été modérées automatiquement avec Bodyguard. Et donc, on va passer maintenant à l'ouverture du colis. Oh, bah on déménagera ailleurs, hein, Copper, si ça arrive. Bon, alors, il faut que j'ouvre ça. Ça me fait peur parce que j'ai l'impression que c'est fragile, c'est... C'est emballé bizarrement. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le carton, il y a juste l'intérieur du carton. Bref. Est-ce que j'ai un ciseau pour ouvrir ça? C'est malin, j'ai pas prévu de ciseau en plus. Bon, bah écoutez, on va faire ça à l'ancienne. Hein. Comme ça prendra un petit peu de temps et ça fera durer le suspense. C'est bien de mettre un petit ruban fragile hein, pour dire que c'est fragile, mais le mieux, ça aurait été de bien l'emballer déjà, si c'est vraiment fragile. Ah, ASMR ouverture de carton. Un premier petit scotch d'enlever. Faudrait que j'envoie un message à Bodyguard sur Twitter, parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'ai ce message, Bodyguard n'est pas modérateur, alors en fait il l'est, donc c'est un petit peu chiant. Warren David, bonjour, tu n'as pas loupé grand chose, j'ai juste expliqué pourquoi hier j'étais pas là, et j'ai juste remercié un streamer youtubeur qui a parlé de moi cette semaine. Également, je vous ai remercié car vous étiez nombreux à regarder mes vidéos en ce moment et donc ça fait plaisir. Et là, on ouvre un colis que j'ai reçu. C'est normalement la sonde de marque Pantone qui permet de calibrer les écrans, que j'ai trouvé à moins de 30 euros. Alors, si vous êtes sur Twitter, vous le savez, parce qu'effectivement, j'ai partagé ma trouvaille sur Twitter et j'étais super heureux, parce qu'effectivement... Oula, le carton, il a l'air un peu spécial. Hein. Je voulais mettre moins de 30 euros pour cette sonde. Je l'ai trouvée à 29,90 €. Ah. Et vive la choucroute. Tu as raison, glouton gourmand. C'est bon, la choucroute. J'ai l'impression, quand vous mettez du scotch comme ça, que je trouve jamais le bout. Oulala. Là là. On va peut-être pas tout déballer. Hein. Je vais essayer d'ouvrir un coin, déjà. On ne sait pas en fait c'est quoi mes problèmes, Romy. Si je le savais, les chiffres sont catastrophiques de à peu près partout, donc ils savent pas, parce que si c'était que les poumons, on le saurait. Si c'était le cœur, on le saurait. Mais là, il y a un petit peu tout qui déconne en même temps. Donc, on ne sait pas. On sait pas. Alors oui, si vous vous posez la question, je suis un peu essoufflé. Mais surtout quand je fais de l'exercice, et parfois ça m'arrive quand je fais pas de l'exercice, mais plus c'est plutôt rare. C'est pour ça que j'ai fait des examens, et aussi parce que dans ma famille, on a des problèmes respiratoires de génération en génération. Donc comme c'est héréditaire, je me suis dit, bon,
on va commencer à contrôler quand même. J'ai plus de 30 ans, il faudrait faire un contrôle un jour. Puis bon, moi, c'est surtout qu'avant, quand je faisais du sport, quand je faisais de la Zumba, et que, franchement, de la Zumba, j'en faisais beaucoup, j'étais beaucoup moins essoufflé que maintenant. Maintenant, en fait, eh ben, dès que je fais presque rien, je suis essoufflé tout de suite. Et je me suis dit, il faudrait contrôler. Et bon, du coup, on ne sait pas ce que c'est. Hein, parce qu'elle, elle se demande si ce n'est pas plutôt cardiaque, en fait. Ce serait mon cœur qui déconnerait. Eh ben, il y a l'emballage avec, mais c'est un emballage en plastique souple qui a été un peu ratatiné. Alors, je vous montre comment ça se présente. Donc, c'est la Huawei, la sonde Huawei faite par Pantone. Voilà. J'espère que la sonde n'est pas pétée. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de sonde dedans, il n'y a que l'emballage. Imaginez. Imaginez me faire arnaquer de 30 euros. Ça serait amusant. Bon. De toute façon, on peut se faire rembourser sur eBay. Ah si, la sonde est là, mais elle, c'est un petit peu décalé. Franchement, les transporteurs, là. Regardez-moi ça. Bon, déjà, l'emballage, il est écrasé, c'est une chose. Mais je suis sûr que ce colis qui vient d'Angleterre, il a encore été vachement malmené. Pourtant, il y a quand même un autocollant fragile et tout dessus. Les gens, franchement, qui transportent les colis... Il y a certaines boîtes qui devraient changer de métier, quoi. Recyclez-vous dans, je sais pas, le traitement des déchets pour prendre soin des colis comme ça, de façon assez aléatoire. Ah, mais j'ai pas encore 40 ans, oui. Ah bah, c'est sympa. On m'a dit exactement la même chose. On m'a dit à partir de 30 ans, ça part en couille. Donc, bon. Là, ça y est, j'ai 30 ans et c'est vrai que ça commence à partir en couille. Vous inquiétez pas, hein. Allez, je vais enlever ça une bonne fois pour toutes, parce que là, je suis sûr que ça vous casse les oreilles, en plus. Ah, la sonde. La sonde Huawei. Et en plus, on a un petit papier pour si on veut faire un retour. OK. Merci pour votre achat. On aimerait bien faire du business avec vous encore un peu plus tard. Oh, la traduction, elle est vraiment pas bonne. Bon, bah écoute, oui. Et, d'ailleurs, ils ont fait une erreur sur mon nom de ville. Heureusement que ça arrivait quand même. Je vais donc enlever le petit voilà, petit transparent. Alors si vous vous demandez à quoi ça sert de corriger les couleurs des écrans, bah parce que des fois l'écran, on va le mettre droit, ça ira mieux. Il affiche des couleurs complètement horribles comme ça, c'est trop vert, trop jaune, pas beau. Et en fait, eh bien, après la sonde, on arrive à faire afficher l'écran avec des couleurs correctes. Voilà. Et c'est sûr que c'est mieux de regarder même des films ou des vidéos YouTube avec une couleur comme ça plutôt qu'avec une couleur comme ça. Vous allez me dire pourquoi les écrans ne sont pas par défaut bien calibrés. Ça vous demanderez au constructeur. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, donc normalement la sonde elle est censée être là, mais elle a un peu bougé pendant le transport. Du coup, on va regarder si elle est bien. Et je ne sais pas si je la branche en direct, parce que je peux la brancher pour voir si elle est reconnue par mon système. Le problème, c'est que j'ai peur que ça fasse tout planter, parce que je suis sous Linux, je vous le rappelle. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi ce modèle-là, parce que c'est un modèle pas cher et qui fonctionne sous Linux. C'est pas un modèle récent. Mais au moins, il fonctionne sur Linux, sous Linux. Bon, oh, ça a l'air correct. Hein. Regardez-moi ça, on a le petit support qui est... Oh, je vais y arriver ici. Voilà, on a un petit support. On a le câble USB qui est très long et on a la sonde. Allez, on déballe ça, on déballe ça. J'ai hâte. Ah non, mais moi, quand je disais à Sudem, effectivement, changer de métier, je parlais au patron qui gère ses boîtes. Hein. Parce que je sais très bien que la pression vient d'en haut, mais au bout d'un moment, hein, c'est un peu comme les téléconseillers, quoi. Ils vous font acheter n'importe quoi et sans que vous compreniez vraiment bien, mais c'est les patrons qui demandent à faire ça. D'ailleurs, il y a une grosse boîte qui vend d'électricité et du gaz qui a été condamnée. Je ne sais pas si vous avez vu. Bref, on ne va pas trop en parler, hein, mais bon. C'est... Voilà la sonde. Alors normalement il y a des petites ventouses et ça colle à l'écran. Vous pensez que... Est-ce que ça colle vraiment à l'écran? Ouais, le câble USB est un peu écrasé là. Hein. Si je mets ça comme ça, ça colle à l'écran. Ouais, ça colle pas très bien à l'écran. Hein. Bon, moi c'est pas grave parce que c'est un ordinateur portable, donc je pense qu'il sera possible en fait tout simplement de pencher l'écran pendant la calibration. Ou au pire je tiens la sonde, moi ça me dérange pas. Ouais, parce que là les ventouses, ça je l'avais vu dans les avis. C'est des tout petites ventouses comme ça, ça tient pas très bien. Bon, alors.
Je vais démarrer le petit logiciel qui sert à calibrer les écrans et je vais juste la brancher, voir si elle fonctionne. Parce que là, j'ai trop hâte. Et vous voyez, elle a petit support comme ça. Il est tout joli. Ah. Alors, comment ça s'appelle ce logiciel sous Linux? Parce que ça peut peut-être vous intéresser. Hein. Je l'ai installé il n'y a pas longtemps. Je vais aller voir dans les catégories parce que là, j'avoue que c'est un nouveau logiciel. Alors, est-ce qu'il m'a mis ça dans multimédia ou dans système ou dans configuration? Bon, dans multimédia, c'est pas ça. Donc, on va aller voir les applications. Peut-être que c'est dans la configuration. Non. Outils aidant à détecter les tablettes, c'est pas ça. Dans le graphisme, on peut aller voir, pourquoi pas. Mon Dieu, j'ai un truc pour faire du graphisme en 3D. Il faudrait que je désinstalle ça. Mon ordinateur ne supporterait pas de faire du graphisme en 3D. Non plus. Alors je sais, oui, je me souviens de la moitié du logiciel, mais pas de l'autre moitié du nom. C'est un peu, un petit peu gênant. Hein. Alors, système, pourquoi pas. Non plus. Bah dis donc. Ah, je m'en souviens. Display cal, comme display calibrateur. Voilà, étalonnage de l'écran, display cal, je démarre ce logiciel. Alors comment ça fonctionne? C'est une très bonne question. Vous avez des détecteurs qui sont ici et là, qui vont regarder la couleur de l'écran tel que l'écran l'affiche, vous voyez. Et ensuite vous avez une petite sonde ici qui va regarder la luminosité de la pièce, parce que voilà, il faut calibrer l'écran en fonction de la luminosité de la pièce. Et donc tout simplement, eh bien, en fonction de la couleur affichée à l'écran détectée par ces deux petites sondes, puis peut-être même par ces sondes-là, hein, parce que là, il y a aussi des petits trous. Et en fonction de la couleur de la pièce, eh bien, il va régler, corriger les problèmes d'affichage d'écran. Donc après, je pense qu'il crée un fichier qu'on appelle un fichier ICC. C'est un fichier de profil. Vous importez le fichier de profil à votre écran. Donc, bon, ça se fait bien sûr dans l'ordinateur. Hein, et l'ordinateur va corriger les couleurs. Bon. Une mise à jour est disponible, on verra ça plus tard. Hein, voilà, donc je vais brancher la sonde. Attention, alors si ça coupe, restez en ligne, je redémarre tout ça. Hein, je redémarre tout ça, tout simplement, si ça coupe, bon, à cause de l'USB, tout ça, Linux, tout ça, toi-même, tu sais. Je vais revenir quand même, hein, c'est pas la peine de quitter le live. Je suis là, je suis là. Alors déjà, il faut que je débranche un truc pour brancher ça, parce que j'ai pas assez de prise USB hein, sur mon ordinateur. C'est parti, donc je vais essayer de brancher ça ici. Pour l'instant, il ne se passe rien. Bon, alors je pense que c'est normal qu'il n'y ait pas de LED qui s'allume hein, sur la sonde, parce que la LED, s'il y a une LED qui s'allume, elle pourrait faire interférence, hein, vous voyez. Et donc maintenant, je prends ma souris, mais elle est débranchée, donc je vais prendre plutôt le touchpad. Maintenant, je vais aller dans le logiciel et... sonde de mesure. Alors la sonde de mesure pour l'instant elle n'est pas détectée. Je vais actualiser ça. Inventaire des périphériques d'affichage et des ports de communication. Tiens, c'est un petit peu long comme logiciel hein. Bon, puis après faudra pas oublier de faire notre get ready with me, parce que sinon moi je vais être en retard à l'anniversaire de Portos. Faut que je me maquille quand même hein. Je suis là pour ça. Ah, la sonde est détectée, c'est bon. Bah vous savez quoi, on va s'arrêter là. Je suis désolé, vous n'aurez pas une calibration d'écran direct. De toute façon, la calibration d'écran ne changera rien sur le live et ne changera rien chez vous. Ça va juste corriger mon écran à moi. Bon, j'ai eu peur parce que le câble USB, vous voyez ici, il est fragile et il est un peu écrasé. Mais elle fonctionne. Elle est détectée, donc je pense que c'est bon. On verra ça un petit peu plus tard. Je vais la ranger et ensuite, on va pouvoir passer donc au Get Ready With Me. On est combien là? Parce que ça parle pas beaucoup sur le chat, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu fatigué. 51 en moyenne, donc je suppose qu'on est quand même 51, ce qui est pas mal. Mais j'ai l'impression effectivement qu'on n'est pas nombreux, on n'est pas nombreux sur le chat à discuter. Ah là 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 là. Vous êtes tous en train de vous maquiller pour votre soirée de ce soir, vous avez raison. Hein. Alors, moi je vais bien l'arranger parce que c'est cher ces sondes-là. Alors, il faut savoir qu'à l'origine ça coûte pas 30 euros, hein, une sonde comme ça. Hein. J'en ai vu à des 400 euros, hein. Donc on va essayer d'y prendre soin. On va bien mettre donc dans... Ah bah oui, mais en fait... Non mais n'importe quoi. Alors regardez-moi ça encore, c'est des ingénieurs qui ont dû inventer ça. Moi-même ayant le niveau Bac plus 5, je peux vous en parler. Quand je mets la sonde comme ça, dans l'emplacement prévu, et si je veux emboîter la sonde, c'est-à-dire, vous voyez qu'il y a des petits rivets pour l'emboîter, eh bien regardez le câble USB, comment il est écrasé contre la bordure. Est-ce que c'est normal, ça?
Forcément qu'il l'a pas remis comme ça, le vendeur. Mais moi non plus, je vais pas la remettre comme ça, la sonde. Parce que sinon, le câble USB, il est complètement écrasé contre le plastique. Oh, les ingénieurs. Mais c'est fait exprès, comme ça, après, elle casse. Hein, à force de la ranger, la sonde, de l'enlever de l'emplacement, de la remettre, de l'enlever, de la remettre, elle casse, la sonde. Et qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté? Eh ben, vous en rachetez une. Non, mais obsolescence programmée chez Pantone. Ben, merci. Mais non, merci. Donc, du coup, elle sera rangée à l'arrache, comme le vendeur l'avait fait. Donc, très bon vendeur, d'ailleurs. Sur eBay, en Angleterre. Alors, du coup, ça va me permettre de vous poser une petite question. Est-ce que vous avez des infos sur le Brexit? Messieurs, dames, Brexit, allô? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, par exemple, j'ai trouvé une super sonde Pantone pour calibrer les écrans à 29,90€ sur eBay. Parce qu'eBay vend des produits qui proviennent parfois de vendeurs européens, et là, c'était un vendeur anglais. Après le Brexit, on ne pourra plus faire tout ça, parce qu'ils ne seront plus européens, ces vendeurs-là. Ils seront anglais, mais hors Europe, ou même du Royaume-Uni et hors Europe. Et alors du coup, oui, mais il n'y a plus vraiment de vote, l'outre du Thiel, pour le Brexit. C'est pas une... Le vote a été fait, bon. Mais l'Europe, elle a dit, vous partez et vous payez des frais de douane comme tous les pays étrangers. L'Europe, elle en a marre, quoi. Au bout d'un moment, vous voulez partir, vous partez, c'est tout, il n'y a plus de vote. Votez quoi? Ça a déjà été voté qu'ils voulaient quitter l'Europe. Mon fond, ça fait un petit moment que je l'ai changé, ma belle pied. Alors du coup, comment je vais remettre ça dans sa boîte? Ah, voilà. Impeccable. Bon. Bah écoutez, j'espère que je pourrai au moins une fois calibrer mon écran. Et après, j'aimerais bien calibrer ma télé aussi. Ah, ça va être un autre problème. Hein. Parce que pour la télé, on peut calibrer sur la télé et c'est tout. Et je pourrais pas mettre un profil ICC, enfin bref. Parce que ma télé, quand je regarde des séries, genre j'ai fini la série L'Exorciste qui est disponible sur Amazon Prime et qui est une série géniale que j'ai adorée, et bien quand je regarde une série de ce style-là, et tout simplement et bien que l'image elle est sombre, dans ma télé je vois pas grand-chose. Donc à mon avis, il faudrait régler la luminosité, le contraste et également et bien les couleurs à cette télé, et avec cette sonde-là je pourrais le faire. Donc on verra ça un peu plus tard. Allez, on te range, petite sonde, et on va bientôt passer sur la catégorie donc Makeup and Body Art pour faire un Get Ready With Me. Je vais me faire un petit maquillage tranquille en discutant avec vous. Un deal est proposé et le Parlement doit voter pour approuver ou non. Aujourd'hui, le Parlement a reporté ce vote, c'est ce que je veux dire. C'est le Parlement européen qui doit voter. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Oui, peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Moi, j'avoue que le Brexit, j'essaye de me renseigner parce que pour nous, ça peut changer certaines choses. Je sais qu'il y a plein de blogueuses, par exemple, qui sont parties en Angleterre, qui ont fait des voyages d'affaires parce qu'effectivement, eh bien, il y a des marques de cosmétiques anglaises qui les ont invitées parce qu'après, elles ne pourront peut-être plus le faire. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre toutes ces histoires-là. Bientôt, il va falloir, tout en étant youtubeur et blogueur professionnel, il va falloir être en même temps expert en politique internationale, quoi. Ça devient compliqué, toutes ces histoires. Hein. Bref, j'espère que vous allez bien. Le Parlement britannique. Ah, mais le Parlement britannique, l'Europe, elle a clairement dit qu'elle en avait plus rien à faire, quoi. Là, c'est tout. L'Europe, elle... Si ça continue de ce que moi j'ai compris, j'ai peut-être compris complètement de travers, c'est l'Europe qui va expulser l'Angleterre avant que l'Angleterre elle vote vraiment la sortie de l'Europe, quoi. Parce que l'Europe, elle en a marre, elle a d'autres choses à faire que de se dire oui, vous voulez partir. Moi j'ai l'impression que les Anglais veulent partir, mais en gardant tous les avantages de l'Europe. Ah non, soit tu es européen, tu fais partie du marché commun européen et tu as des avantages, soit effectivement, eh ben. Tu n'es plus européen et tu es considéré comme un pays étranger, tu payes des frais de douane, tu n'as pas de TVA intracommunautaire et donc, eh bien, dès que tu vas vouloir acheter un truc en Europe, tu vas payer plein pot, plein pot, plein pot, c'est tout. Voilà. Après, c'est peut-être moi qui ai mal compris, hein. Comme je vous le dis, moi je comprends plus toutes ces choses-là, j'ai pas le temps de m'intéresser à tout ça, c'est devenu trop compliqué la vie en général, donc on n'a plus le temps pour tout ça, mais... Sérieusement, quoi. On peut pas dire je quitte l'Europe mais je veux les avantages sans les inconvénients, hein.
Go pour une guerre de 100 ans, moi je suis pas prêt de faire la guerre. Hein. Alors là, s'il y a la guerre, croyez-moi, vous n'aurez plus internet, vous n'aurez plus tout ça. Hein. Donc non, nous on est bien là en France, on est bien européen. Moi j'aime bien aller en Belgique et payer en euros et pas avoir de conversion de devise à faire. J'aime bien pouvoir commander sur Maki Beauty qui est un site espagnol sans avoir à payer des frais de douane. Franchement, vous voyez vous commencer à refaire comme dans le temps. Ça y est, tu vas en Belgique, tu dois payer avec des francs belges et tu dois convertir des monnaies. Ça y est, tu peux plus commander sur tous les sites qui sont basés à l'étranger. Ça y est, tu... Oui, mais s'il y a toujours des accords de libre-échange, c'est débile, quoi. Moi, j'aurais dit aux Anglais, vous partez, quoi. D'un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ben on sait pas, Warren David, moi c'est ce que j'aimerais savoir. Si tu commandes sur un site anglais, est-ce que tu vas avoir des frais de douane? J'en sais rien. Logiquement, s'il quitte l'Europe, tu commandes en Angleterre, t'as des frais de douane. Logiquement, si tu veux aller en vacances en Angleterre, faut demander un visa, parce que t'as plus la libre circulation des marchandises et des personnes. Ils sont plus européens. D'ailleurs, la France est déjà préparée, et il paraît qu'elle rouvre une frontière au niveau de Calais, hein, parce que ça sera plus l'Europe, donc... voyez. Donc, ça pose pas mal de problèmes, hein. Ça passe pas mal de problèmes cette histoire-là, mais bon, c'est vrai que j'ai vu du coup certaines blogueuses, voilà, comme par hasard, beaucoup de marques américaines les contactent en ce moment, américaines, bon, oui, sont peut-être américaines, mais anglaises aussi, qui les contactent en ce moment et qui font plein de partenariats, parce qu'après, ça sera plus la même chose, hein. Et d'ailleurs, il y a un grand... une grande agence de voyage, là, Neckermann Thomas Coupe, c'est un grand groupe de voyage qui a fait faillite, et ça je vous en ai déjà parlé, c'est peut-être un petit peu à cause de tout ça aussi. Hein? Alors effectivement, on ne peut pas partir sèchement, mais je trouve que c'est un petit peu long, là. Au bout d'un moment, la diplomatie, on a bien vu qu'elle ne fonctionnait pas, donc va falloir voir. Hein? Ou sinon, ils restent européens, et puis c'est tout, après tout, hein? On ne leur a pas demandé de partir. Bref, on va essayer de trouver un petit titre pour ce Get Ready With Me. J'attends vos avis, tout simplement. Hein? Voilà. Warren, dépêche-toi hein, si tu veux faire une razzia dans les boutiques. Hein, parce que, attention, scoop, s'ils sont vraiment partis au 31 octobre, il vous reste à peu près une semaine et demie pour faire une razzia dans les boutiques. Ah, ah, ah. Moi, j'ai une amie juste partie en Angleterre, là, de ces jours-ci, parce que son frère habite en Angleterre, mais son frère n'a pas la nationalité anglaise. Donc, c'est compliqué parce qu'il a fait ses études en Angleterre. Et... à la suite de ses études, il y a un grand groupe qui l'a acheté. Mon Dieu, comment je parle aujourd'hui. Oui, qui l'a embauché et qui lui donne un gros salaire tout de suite. Bon, donc, lui, il est resté en Angleterre après ses études, même s'il n'avait pas prévu de vivre là-bas, parce qu'il a un beau salaire et qu'il a été embauché par un grand groupe, ce que tout le monde aurait fait. Sauf que lui, il n'est toujours pas anglais. Il n'a même pas fait la demande pour être anglais, puisque c'est juste un étudiant qui est resté sur place parce qu'il a été embauché tout de suite. Et du coup, qu'est-ce qu'il va devenir, on ne sait pas. Et elle, du coup, elle a été le voir là récemment parce qu'elle dit « Moi, pour le moment, je peux encore partir. » Et d'ailleurs, on peut partir avec des 8 bus, il me semble, ou des systèmes comme ça. C'est vraiment pas cher pour aller en Angleterre avec la traversée de la Manche y compris. Hein. Donc, elle est partie comme ça. Elle dit « Je vais aller revoir mon frère une fois, mais après, je ne sais pas ce qu'on va faire et comment je vais pouvoir aller le voir, etc. » Et donc, voilà, c'est des questions que tout le monde se pose. Mais c'est vrai que... si vous avez des petits sites anglais que vous connaissez, je crois quand même qu'il y a Beauty Bay, ça doit être anglais par exemple, ce genre de truc, et que vous avez prévu de commander, commandez rapidement, parce qu'après on n'est pas, on sait pas ce que ça va devenir tout ça. Hein. Moi je suis déjà allé à Londres avec un voyage scolaire et c'est tout, je suis jamais retourné. Ça me fait peur les voyages, vous le savez pourtant. Ah ça, Romy Zizi, c'est toi qui le dis. Hein. Si les Anglais ont voté le départ de l'Europe, c'est quand même, à mon avis, parce qu'ils ont peut-être moins envie que tout le monde puisse aller comme ça et faire des achats. Hein. Enfin bref, je comprends pas tout ce qui se passe dans l'esprit des gens. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on va faire un petit Get Ready With Me. Donc, petit titre pour le Get Ready With Me, sachant que le titre sera suivi dans tous les cas de... C'est l'anniversaire de...
Portos, car c'est effectivement aujourd'hui, hein, le jour même. Hein. En plus, je fais un live le jour même de l'anniversaire de Portos, donc c'est l'anniversaire de Portos. Et qu'est-ce qu'on met devant? Hop, alors je vais essayer d'aller dans le nouveau gestionnaire de stream. On va mettre à jour les infos du stream. Ça va tellement mieux qu'avant. Donc, bah, c'est l'anniversaire de Portos, c'est déjà écrit. Je vais mettre un petit tiret devant. Et donc, je vais écrire Get ready with me. Bah, c'est tout. Get ready with me, c'est l'anniversaire de Portos. On va donc partir dans la catégorie Beauty and Makeup and Beauty Art. Beauty Art, Beauty, Beauty, Body and Beauty Art. Je me souviens déjà plus du nom de cette petite catégorie. On va mettre des petits tags, donc maquillage, puisqu'effectivement là on va faire du maquillage. Également donc LGBTQIA+, LGBTQIA+, voilà. Français maquillage LGBTQIA+, créatif IRL, français, votre contenu doit respecter nos règles. Je pense que pour l'instant ça respecte les règles. Et donc, parti. On est normalement dans la catégorie maintenant Beauty and Body Art. Et oui. Et donc, on va pouvoir commencer à se maquiller. Ça, c'est extase. Enfin. Alors, on va pouvoir commencer à se maquiller si je retrouve mon miroir. Oui, c'est bon, j'ai un miroir. Ça fait deux fois que je fais des trucs sur Twitch. Et à chaque fois, j'oublie les miroirs. Donc, forcément, pour le maquillage, c'est pas pratique sans miroir. Là, c'est bon, j'ai un miroir. Je vais peut-être le nettoyer un petit coup quand même. Parce qu'il est resté là depuis un petit peu longtemps à côté de mon bureau. Et bah du coup, je vais vous montrer ce que je vais faire pour ce soir. Je vais refaire un maquillage, des maquillages que vous avez déjà vu maintes et maintes fois sur YouTube. Mais bon, c'est comme ça que je me maquille, c'est comme ça que je me maquille. Hein. Le principal, c'est qu'on puisse papoter. Ensemble, hop. Alors, je vais laver les deux côtés parce que je ne sais pas si je suis en train de laver le côté grossissant ou le côté normal. Parce que moi, j'ai du mal avec les côtés grossissants des miroirs. Je trouve que c'est flou. Ah, c'est le côté normal, ça va. Est-ce que tu as déjà utilisé des fossiles magnétiques? J'en ai reçu, il faudrait que je les utilise et que je les teste, mais j'avoue que j'ai reçu beaucoup de choses, donc je me laisse le temps pour tester tout ça. Je pioche dans ces idées-là quand j'ai pas d'autres idées, c'est-à-dire que quand j'ai un petit peu un manque de créativité, ben je vais voir l'armoire de produits un peu étranges que j'ai reçus et je me dis tiens, on va tester ça. Le problème, c'est que je manque rarement de créativité. Et du coup, eh bien, je teste rarement les produits comme ça, un petit peu what the fuck qu'on m'envoie, quoi. Mais ça m'arrive d'en tester quand même, ne vous inquiétez pas. Et si je vois que j'ai un peu trop de produits dans cette armoire-là, eh bien, je ferai en sorte de me forcer à tester ces produits plutôt que de faire d'autres vidéos. Alors, il y a Bodyguard qui a banni quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, car c'est quelqu'un qui parlait bien. Alors peut-être que Copper... Bon, c'est temporairement hein, déjà, donc tant mieux. Je vais aller voir quand même. Peut-être que Copper, tu as écrit en majuscule. Alors, il faut savoir sur Internet que quand vous écrivez en majuscule, c'est un petit peu considéré comme si vous criez. Et les gens n'aiment pas se faire crier dans les oreilles. Donc, c'est pour ça que si vous écrivez en majuscule, eh bien tout simplement, vous êtes... temporairement banni. Après, moi, je peux vous débannir, mais je vais aller voir quand même c'est quoi ce message-là. Ah, il est où, Bodyguard? Oui, il est là. Ah, j'ai pas mes lunettes, hein, ça aussi. Hein. Ah non, Cooper647 a vraiment mis des trucs pourris. Ah bon? Cooper, d'un seul coup, comme ça, il... Bon, bah écoute, Copper, voilà, hein. il se trompe rarement, hein, Bodyguard. Bref, je vais mettre peut-être le miroir comme ça. Ouais, ça serait pas mal. Si ça n'appuie pas sur une touche... Ah. Effectivement, ça vient d'augmenter le volume dans mon casque. Alors d'ailleurs, je pense pas que ça vous ait augmenté le volume de votre côté. C'est la magie de Linux, c'est-à-dire que tout est séparé. Mais moi, en tout cas, ça m'a augmenté le volume dans mon casque. Vous entendez bien la musique de fond, d'ailleurs? Je suis pas sûr. Hein. Ça me paraît un petit peu bas, le volume. Voilà, j'ai mis mon miroir. Je vais pouvoir me reculer un tout petit peu et on va passer en plein écran, tiens. Alors, on va commencer donc par la base de teint.
Et là, j'ai choisi pas n'importe quelle base de teint, mais j'ai choisi effectivement mon gel antitranspirant pour le visage. Le 3B Face Saver Gel. Alors, j'ai eu une petite idée un jour, ça m'arrive d'avoir des idées. Je me suis dit pourquoi pas vous mettre des liens au fur et à mesure que je présente les produits. Pourquoi ça, moi, je construis la liste des liens au fur et à mesure. Et je pourrais la mettre en description sous la VOD YouTube. Et effectivement, parfois, ça sera des liens aussi qui seront un petit peu sponsorisés, hein, bien entendu. Mais même si vous achetez pas, au moins vous avez les infos sur les produits. Parce que moi, j'ai pas le temps à chaque fois de redire qu'est-ce que ce produit, comment ça fonctionne, d'où il vient, où je l'ai acheté, etc. Donc, écoutez, comme ça, vous aurez, voilà. Le produit, alors qu'est-ce que c'est que le 3B Knit Face Saver Gel? Eh bien, c'est un gel antitranspirant pour le visage. Donc, si vous avez des problèmes de transpiration au niveau du front, au niveau des tempes, mais également si vous avez des problèmes de peau grasse, c'est vraiment le produit qui résout tous les problèmes et qui est super efficace. Donc, moi, souvent, j'utilise ça avant de partir en soirée, tout simplement parce qu'en soirée, eh bien, il fait chaud et on a tendance à avoir une peau qui transpire un peu plus ou qui est un petit peu plus grasse. Voilà, donc le gel antitranspirant 3B Knit Face Saver Gel. J'ouvre tous les sites dont j'ai besoin pour créer des liens. Et Effectivement, Warren, mes rouges reviennent. Alors j'ai arrêté l'acide azélaïque, tout simplement. Vous voyez, on a regardé. Là, j'utilise Sanoflore. L'acide azélaïque, hein, les soins Sanoflore. Va falloir que je reprenne quand j'aurai fini mes soins Sanoflore, parce que je les ai bientôt finis. Il va falloir que je reprenne l'acide azélaïque. Et justement, j'ai reçu de la part de Anne, l'acide azélaïque de chez The Ordinary. Et justement, depuis le temps qu'on me demande de le tester, on va vraiment pouvoir tester parce que là, j'avoue que ça me brûle en plus. Hein. C'est vrai que je suis, rouge. Ça, c'est une chose, c'est l'apparence physique. Mais après également, il faut le savoir, c'est que ça me brûle, moi, de mon côté, comme un coup de soleil. Donc, on testera l'acide azélaïque de chez The Ordinary prochainement. Voilà pour le premier produit. Et donc c'est parti, je vais mettre ça avec mon pinceau à fond de teint. J'évite de le mettre avec les doigts parce que c'est assez chimique et aussi ça a une texture un petit peu sèche, désagréable. Donc je préfère mettre ça. Alors vous voyez, c'est un petit gel comme ça. Oh, je ne sais même pas si vous voyez quelque chose parce que j'ai plus de retour. On va mettre le retour, mais vous voyez, je vois un petit gel comme ça, vous voyez, transparent. Ah si, ça se voit bien. Hein. En plein écran, on voit mieux, j'ai l'impression. Bref. Un petit gel comme ça, donc je commence à en mettre principalement sur le front parce que c'est là que je transpire le plus, voyez. Et après, j'étire la matière vers le bas. Donc voilà, là j'ai fait à peu près la moitié du visage. Et ensuite, hop, je vais enlever ça, hein, il n'y en a pas besoin pour le moment. Je vais reprendre une petite goutte de produit comme ça, et donc je vais en mettre dans le cou parce que c'est surtout au niveau du cou que je transpire le plus, au niveau des oreilles, des tempes, etc. Et je remonte le produit, voilà, pour en mettre quand même un petit peu au niveau du nez, etc., parce que ça matifie, mais j'en mets moins sur mes rougeurs que ailleurs sur le visage. Voilà. Alors, as-tu déjà testé les cosmétiques Lidl? Sûrement que j'en ai déjà acheté, mais au compte-gouttes. Hein. J'avoue que je ne vais pas souvent à Lidl parce qu'il n'y en a pas à côté de chez moi. Oui, ce gel-là s'applique vraiment bien. Par contre, attention, il a une odeur assez prononcée qui ressemble à certains parfums orientaux. Si vous n'aimez pas certains parfums orientaux, il se peut que ce produit-là, vous n'aimiez pas sa couleur, mais la couleur tient pas. Alors on va passer au fond de teint parce qu'il faut quand même se maquiller là, sinon je vais pas être prêt, je vais recevoir un message de Monsieur Beauté en Herbe comme quoi tout est prêt et moi je le serai pas, ça serait pas terrible. Le fond de teint infaillible Total Cover 24 beige doré, j'ai pris un fond de teint très couvrant et longue tenue parce que je me maquille un peu plus tôt que d'habitude. Donc c'est parti, hop, et donc vous voyez,
J'en prends un petit peu et j'applique ça sur mon visage. Il en faut vraiment très peu. Et voyez comment il est bien couvrant. C'est vraiment The Fond de Teint celui-là. Moi, je l'aime toujours autant. Alors, si vous n'aimez pas les textures épaisses, si vous n'aimez pas sentir du produit sur votre visage, il ne vous conviendra pas. Mais franchement, moi, j'en ai besoin parce que ben, j'ai des rougeurs qui reviennent. Donc, j'ai besoin d'un fond de teint très couvrant. Et aussi, eh bien moi, finalement, la texture de produit sur le visage ne me dérange pas. Alors justement, Zazam HD, on a dit au début du stream qu'il fallait peut-être parfois faire attention aux produits naturels. Hein, en tout cas, c'est ce que dit ma pneumologue. Donc non, je vais utiliser des produits qui sont vendus dans le commerce. Je vais arrêter, et d'ailleurs je ne l'ai jamais vraiment fait, mais je vais éviter d'utiliser des remèdes de grand-mère. Voilà. Ma pneumologue n'aime pas. Ah, ça faisait longtemps. Hein. Je vais essayer de mettre le micro plutôt comme ça peut-être. Parce que sinon, je suis sûr que ça vous casse les oreilles. Voilà, comme ça peut-être que ça sera mieux. Est-ce qu'on peut serrer la bague pour que ça ne tourne pas? Ça n'a pas l'air de vouloir. Bon, je vais essayer comme ça. Vous me direz si vous entendez mieux ou moins bien. Ah oui, voilà. Faire attention aux produits naturels, hein, ça peut être assez agressif. Bon, de toute façon on en remettra sûrement un petit peu, mais là je vais continuer sur le front. J'en ai pris un peu beaucoup là pour le front, quoique j'ai des imperfections. Hein. Puis on va descendre ça sur le nez, comme j'en ai pris un petit peu beaucoup, et je vais en remettre un petit peu en tapotant sur mes rougeurs. Hop. Vous entendez vraiment rien? Moi, vous savez, je peux vérifier si vous entendez ou pas. J'ai des petits... comment dire? Des petits indicateurs de volume. Et là, le son est bon. Hein. Plus ça va saturer. Après, il faut augmenter le volume de votre casque ou de votre ordinateur. Ou de votre télé, ou de votre console de jeux vidéo. Je sais pas où vous me regardez. Dites-moi un petit peu où vous me regardez. Ah, ça serait vraiment... un truc qui m'intéresserait. Il y a des gens sur console qui me regardent? Parce que moi, je fais pas du tout dans le gaming. Hein. Est-ce que tu pourrais faire un live League of Legends un jour? Alors, je pense que vous n'avez pas vu ma vidéo setup sur YouTube. J'ai un ordinateur qui a déjà du mal à ouvrir un simple logiciel de traitement de texte. Pourtant, il n'est pas vieux l'ordinateur, mais il est pourri. Donc, je pense que les jeux en stream, c'est pas possible. Hein. Voilà, de toute façon, j'ai pas prévu de faire des jeux en stream. Et imaginez, un jour, j'ai pensé à ça dans ma salle de bain en me démaquillant. Mais alors, moi, je pense vraiment à des trucs... Je vous dis, j'ai une création débordante. Je me suis dit, imagine un jour, ils sortent un jeu et le but du jeu, c'est tout simplement eh bien, de gérer un institut de beauté ou une parfumerie. Genre comme Theme Park, comme Theme Hospital, comme Roller, je sais pas quoi, Tycoon, là, machin truc. Mais ça serait genre esthétique, cosmétique, parfumerie. Je fais putain, il serait trop bien ce jeu. Puis alors, il y aurait des niveaux. Tu commences par un petit institut de quartier et à la fin, t'as un super spa 5 étoiles. Ce serait génial comme jeu. Enfin bref, ça, c'est mes idées comme ça. Imagine ce jeu-là, je serais obligé de le streamer. Ça, ce serait genre trop bien, quoi. Moi, un jeu comme ça, je le stream, ça, je veux bien. Mais je pourrais même pas avec mon PC pourri. Bah oui. Vous vous rendez pas compte? Je pourrais même pas streamer un jeu magnifique comme ça. D'ailleurs, bon, peut-être que ce jeu existe, mais je sais pas. Mais en attendant, avis aux amateurs, hein, les éditeurs de jeux vidéo, là. Moi, je pense que ce serait le genre de jeu qu'il faudrait sortir. Hein. Ah non, sous Windows, c'est encore pire, Brubrumok 1. Non, c'est l'ordinateur qui a du mal. C'est vraiment l'ordinateur. C'est réputé hein, sur les ordinateurs qui rament, il vaut mieux mettre Linux que Windows parce que ça prend moins de mémoire et ça gère mieux la mémoire. Hein.
Bon, j'en remets un petit peu là parce que j'ai peur de ne pas en mettre assez de ce côté-là. Comme il y a le micro là, vous voyez, comme il y a le micro, je disais, j'ai peur de ne pas en mettre assez de ce côté-là. Hop. Ah, mais je l'ai acheté à l'arrache cet ordinateur-là parce qu'en fait, le mien avait rendu l'âme et j'en ai acheté un rapidement et j'ai pris une promo quoi. Hein, ne jamais acheter en promo, hein, bien sûr. Mais là, je pense que je vais le changer. Hein. Le problème, c'est qu'il me faut des financements hein, pour changer l'ordinateur et il faut savoir quoi acheter. J'ai tellement peur de prendre un ordinateur à 1000 euros et de me retrouver avec un ordinateur qui rame. Ça serait... Parce que je vois des fois des personnes qui ont des ordinateurs de fou et elles sont pas mieux loties que moi. Hein. Alors, moi, la marque, c'est HP pourtant. Hein. Bon. J'aurais dû acheter un Dell. Fais pas confiance à HP. Dans cette webcam, j'ai l'impression de voir plein de traces qu'en vrai, on voit pas. Donc, je vais plutôt me regarder dans le miroir et on va avancer. Parce que sinon, ce maquillage va jamais avancer. 1000 euros pour ce que tu fais, je pense que tu dois acheter un PC à 1000 euros. Alors, pour le montage vidéo, ça demande pas mal de ressources. Hein. Montage vidéo plus streaming... Bon, pour le teint, c'est bon. On va mettre de l'anti-cerne maintenant. Et il y a OK Chloé qui aime mon stream, qui va donc recevoir les notifications et qui ne loupera plus aucun live. Merci à toi, Chloé. 1000 euros, c'est énorme, si vous le saviez. C'est rien, 1000 euros pour un PC. J'ai tellement vu des ordinateurs coûter plus cher. Et il y a tellement des streamers qui ont des PC qui coûtent tellement plus cher. 1000 euros, c'est premier prix quand on veut un truc professionnel qui dure longtemps. Parce que c'est ça aussi, j'ai pas envie de changer mon PC. Imagine, tu changes ton PC, un an et demi après, tout le monde passe à la 4K. Toi, ton PC, il est pas assez puissant pour faire de la 4K. Et donc, eh bien, tu as des vidéos de moins bonne qualité que les autres. Et donc, personne te regarde. Ben, voilà quoi, t'as les nerfs. Parce que là, je voudrais rien dire, mais on n'est toujours pas à la 4K sur YouTube, hein. Donc, le jour où on va passer à la 4K, on va avoir besoin de tous changer notre matériel. Hein. Il me semble que YouTube est compatible 4K, mais personne n'utilise pour le moment. C'est très rare d'avoir des vidéos 4K. Alors, le jour où tout le monde va s'y mettre, il faut plutôt suivre le train. Parce que sinon, après, ben, on fera la moins bonne qualité que les autres, bien entendu. Cet anti-cerne est magnifique. C'est l'anti-cerne, c'est lequel? Parce que j'en ai deux en ce moment que je finis. C'est le Primark My Perfect Color. Je vous ai pas dit, je vous ai pas fait les liens. Il faut que je fasse les liens au fur et à mesure. Après, je ferai une pause quand j'aurai poudré mon teint et on fera les petits liens. C'est pour les faire au fur et à mesure. Comme ça, moi, pour moi, c'est plus pratique quand je mets la vidéo en ligne sur YouTube. Car effectivement, vous avez les VOD de ces lives hein, qui sont disponibles sur la chaîne Beauté en Live. C'est ma deuxième chaîne YouTube. Et donc sur la chaîne Beauté en Live, vous avez la retransmission des lives et je vais essayer quand même de faire un effort et de remplir les descriptions de mes VOD parce que pour le moment, il n'y a rien d'inscrit sur les descriptions de VOD. Donc, tu écris Brumoc dans Google Beauté en Live et tu vas voir que c'est référencé. Est-ce que vous avez été chez Primark récemment? Moi, j'aimerais savoir si chez Primark, ils ont refait du nouveau maquillage qui est bien. Parce que franchement, moi, j'adore. Au début, je détestais le maquillage Primark, forcément, parce que dans le Primark où je suis allé à Lille, il n'y avait rien comme maquillage. J'ai trouvé 3,5 trucs à la caisse et c'est tout. Donc, mais on m'a envoyé après des trucs. Mes abonnés m'ont dit non, mais chez Primark, il y a des trucs bien. Mais c'est juste qu'il n'y en a pas dans ton Primark. Et alors après, quand j'ai testé le maquillage, franchement, il est trop bien. Il est trop bien. Et ça me donne envie de racheter certaines choses, notamment l'anti-cerne. Oh là, l'anti-cerne Primark. Mais je vais pas me déplacer chez Primark s'il n'y a rien, quoi, vous voyez.
Bon, j'ai toujours le bout du nez qui est un petit peu rouge, mais ça va aller. Maintenant, on va poudrer le visage avec donc la Rose Powder de chez Primark. Et oui, alors c'est la version compacte, parce que finalement, je me suis dit qu'il fallait l'utiliser aussi, la version compacte, même si je préfère habituellement les poudres libres. Donc bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, ça sera la poudre compacte. Et donc, je tapote ça sur mon visage, et après, je vais être tout blanc. Oui, il faudrait que je fasse un réglage de cette caméra. Alors, quand j'étais en été et qu'il y avait du soleil, ce réglage fonctionnait bien. Maintenant qu'on est en hiver et que la lumière est plus froide, vous voyez, le réglage ne fonctionne plus. Puis alors en plus, j'ai une démarcation ici entre la lumière et plus de lumière. Vous voyez, c'est pas évident hein, de filmer en direct. Alors, Wear Direction, qu'est-ce que tu as trouvé de beau à Primark récemment? Comme maquillage, bien sûr. Alors, Bru Brimock, justement, moi c'est à Lille que je suis allé. Est-ce qu'il y a un rayon maquillage à Lille ou est-ce que c'est toujours comme avant? Mal rangé, c'est une chose. Mais s'il n'y a rien de disponible. Ah oui, j'ai trouvé la solution. Hein. Je tourne le visage, comme ça je tape plus dans le micro. Je vais remettre un petit peu au niveau des ailes du nez. Mmh. Allez, on va faire un petit contrôle avec le miroir. Et là, je vais faire une petite pause pour créer les liens. Les liens en rapport avec le maquillage que je porte aujourd'hui. Ça me permettra de les mettre en description dès ce soir. Parce que normalement, la VOD, elle est disponible dès la fin du live. Eh oui. C'est parti. Alors, j'ai mis, bien sûr, l'antitranspirant. L'antitranspirant, hein. 3 Benefit Face Saver Gel. Et ensuite, j'ai mis, eh bien, hop, le fameux Total Cover en beige doré. Ça mouline. Ah bah, ça fait plusieurs fois que j'utilise récemment ce fond de teint, puisque j'ai une vidéo récente. Ah non, c'est pas une vidéo récente, ça. Je dis des bêtises. Non. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, ce fond de teint-là, quand même. Oui, le problème de la poudre verte, c'est qu'on peut pas l'utiliser en poudre de finition parce que au-dessus d'un fond de teint, ça fait bizarre, quoi. Ça fait un teint gris. Donc, la poudre de verte, j'avoue que j'en avais une à un moment. Alors, on peut l'utiliser avant, effectivement. On peut l'utiliser avant de mettre du fond de teint, hein, mettre de la poudre avant de se maquiller. Effectivement, ça se fait. Mais alors, le problème, c'est que mettre cette poudre, eh bien, après, ça donne un teint complètement verdâtre et gris qui n'est pas joli, quoi. Je regarde, est-ce que le Total Cover est encore en vente? Parce que là, j'ai visiblement un lien qui mène vers un déstocker. Oui, et bah non. Aurait-il arrêté l'infaillible Total Cover chez L'Oréal? C'est la couleur numéro 24? Est-ce bien cette couleur-là? Ah, il est où mon tube? 24, c'est bien ça. Non, visiblement, c'est encore dans leur gamme. Dans leur gamme habituelle. Hein. Donc voilà pour le petit lien. Et donc c'est parti. Hop! Pour le fond de teint infaillible Total Cover. Ensuite, on a mis un anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez Primark. Alors, pour l'anti-cerne de chez Primark, malheureusement, j'aurais pas de lien à vous fournir parce que Primark ne vend pas en ligne. Avis à la population, si des personnes de chez Primark sont ici. Faites un shop en ligne, hein, parce que moi-même, pour le maquillage, ça m'intéresserait plus de commander en ligne, même si je paye des frais de port, plutôt que de me déplacer jusqu'à Lille pour finalement peut-être pas trouver ce que j'ai besoin. Hein, donc, mais le jour où Primark va vendre en ligne, ça va être génial. Hein. Ça va être génial. Tac, tac, tac. Alors, au niveau donc du... mon Dieu, à une certaine époque, je faisais des maquillages quand même. C'est là qu'on voit l'évolution un petit peu quand même. Regardez-moi ce maquillage complètement. En même temps, c'était un peu un défi en même temps, parce que j'avais fait ce maquillage uniquement avec des produits qu'on m'avait envoyés. Mais
ça serait maintenant, je laisserais plus passer ça, quoi. Je laisserais plus passer ça. Donc, le correcteur My Perfect Color, couleur nude beige, 2PS, c'est parti. Donc ça, c'est mon anti-cerne si vous voulez les références. Par contre, effectivement, ça se vend pas en ligne. Donc il faudra aller chez Primark. Mais au moins, vous avez la couleur, c'est la nude beige. Ensuite, donc, j'ai mis la poudre, c'est la PS... Point, point, point. Instagirl... Rose Powder. Et c'est une poudre compressée, on dit en français. Hein. Voilà pour la liste qui est à jour. On va passer aux yeux. D'ailleurs, j'aurais dû mettre ma base à paupières avant de faire la liste. Comme ça, elle aurait eu le temps de sécher. Car vous savez qu'une base à paupières, il faut la laisser sécher. J'aurais fait une faute. Oui, j'ai fait une faute à compresser, tiens. Ah, je sais pas écrire, mon dieu, ça change pas, ça, c'est depuis ma naissance. Je pense que j'ai pas la case orthographe dans mon cerveau, parce que j'ai toujours eu zéro en dictée, et même maintenant, j'essaye, pourtant, ça n'améliore pas. Bon, voilà pour la poudre. D'ailleurs, il m'a mis Instagrill, tiens. Sérieusement. Et il l'a même pas corrigé. Instagirl, voilà. Bon. Donc, base à paupières, toujours la Milani Eyeshadow Primer. C'est une petite base à paupières, vachement bien, qui coûte pas cher. J'en prends une petite noisette comme ça. Je referme le tube, j'en prends vraiment pas beaucoup parce qu'en plus, je vais faire un maquillage léger sur les yeux. Je répartis ça sur mes deux doigts et c'est parti. Hop, je tapote sur mes paupières. J'en mets surtout au coin interne et j'étire ça au coin externe. Voilà. Coucou, ok Chloé. Alors, vous vous posez peut-être une question, pourquoi vous ne pouvez pas discuter sur le chat? C'est simple, pour discuter sur le chat, il faut suivre mon stream. Vous cliquez sur le petit cœur autour du lecteur, autour du live, autour de l'image. Vous avez un petit cœur quelque part, ça dépend si vous êtes sur ordinateur ou sur application mobile. Et après avoir suivi le live, vous attendez 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, là, vous pouvez effectivement discuter. Alors, vous allez me dire pourquoi tant de complications? Parce que sinon, je pense qu'on aurait des tonnes et des tonnes de personnes malveillantes qui viendraient me casser les pieds. Donc, au moins, là, seuls vraiment les téméraires qui veulent bien recevoir des notifications et qui veulent bien, me suivre, attendre 10 minutes, seules ces personnes-là, effectivement... Elles peuvent parler sur le chat, ça évite d'avoir n'importe qui. Hein. Alors je vais remettre un petit peu de base parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir pris assez. Surtout pour mettre au coin externe ici parce que j'ai effectivement souvent le fard qui a du mal à accrocher à cet endroit-là. Ça c'est la vieillesse et la sécheresse au niveau de la peau. Voilà, bon on a mis la base. Oui, les personnes malveillantes, oui, je passerai ma vie à lancer des sorts aux gens, alors. Hein. Oui, ça décourage les trolls, mais j'explique, parce qu'il y a peut-être des personnes qui me regardent et qui se disent « Mais pourquoi moi, je peux pas parler ?» Vous savez comment faire, maintenant. Alors, donc, on a mis la base à paupières, on va maintenant se maquiller. Je vais prendre une palette d'enlumineur qui se vend chez Action, c'est la Glow and Highlight Palette, c'est une palette d'enlumineur... version rose, parce qu'il y a la version bleue. Alors la version bleue, je me suis dit qu'un jour, j'essaierai de me maquiller avec. Mais déjà, quand j'ai fait le maquillage 100% enlumineur avec la palette Jeffree Star, la Platinum Ice, j'ai trouvé que c'était trop froid sur mes yeux, surtout en ce moment que j'ai un teint qui n'est pas encore complètement blanc. Donc j'essaierai peut-être la version bleue de cette palette d'enlumineur plus tard pour me maquiller les yeux. Mais là, aujourd'hui, j'ai pris la version chaude. Je prends donc le rouge orangé ici, qui est un enlumineur qui est un peu coloré, avec un pinceau comme ça, estompeur. Et je vais mettre ça tout simplement en creux de paupière. Alors, comme c'est de l'enlumineur, c'est pas très très coloré, on est d'accord. Mais c'est fait exprès. Hein. Faire un maquillage léger sur les yeux. Puis bon, c'est vrai que ça efface quand même bien les marques de fatigue, hein, du coup. D'utiliser des produits comme ça, pas super pigmentés. Et à la webcam, ça se voit quand même, vous voyez. Donc, on voit un petit peu de couleur, mais c'est de l'enlumineur, donc c'est très lumineux et
Bah, c'est moins pigmenté que du fard à paupières, ça forcément, j'ai envie de dire. En tout cas, moins coloré. Même si la brillance est là. Hop. Vous voyez déjà ce que ça donne. J'adore. En ce moment, je me maquille que avec des enlumineurs, les yeux. J'ai arrêté les ombres à paupières. Bon. Bah, la version bleue, c'est pas qu'elle est pas top. C'est que c'est des couleurs assez étranges. Mais c'est bien qu'ils aient fait deux versions. Une version bleue et une version rouge. Parce qu'imaginez, ils auraient fait une seule version avec la moitié des fards inutilisables parce qu'ils sont bleus. Puis je suis sûr que les enlumineurs bleus, ils fonctionnent bien sur les yeux et ça doit faire un joli bleu très discret. Je suis sûr que la palette avec les enlumineurs bleus sur les yeux, elle est belle. Mais il faut que j'essaye. Et ça va pas à tous les teints. Hein. Si vous avez un teint un peu bronzé, je suis pas sûr que ça va mettre en valeur de mettre du gris clair sur des yeux. Faut tester après. Oula, j'ai remonté un petit peu haut là. Quoique non, parce qu'en fait, pas du tout. Comme j'ai les paupières plus tombantes de ce côté-là, même si je remonte plus haut, ça fait la même hauteur. Hop. Voilà. Bien, alors ensuite, je vais prendre un pinceau plat, c'est-à-dire un petit pinceau comme celui-ci. Et donc, je vais prendre eh bien, une autre couleur assez claire et... Allez, on va changer, on va prendre ça. Ça, c'est un blanc, mais qui est presque jaune. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la webcam. Il faut vraiment que je règle mes couleurs. Mais c'est un blanc presque jaune. J'ai envie de mettre du très clair en paupière mobile. Parce qu'après, on va mettre du liner. Très poudreuse, cette couleur, mais très, très jolie. Alors, c'est ça aussi. Hein, quand vous prenez des enlumineurs pour vous maquiller, sachez-le. Les chutes, c'est pas grave, hein. Ça s'enlève encore plus facilement que des fards. Et puis comme de toute façon, au-dessus, on met de l'enlumineur, et bien s'il y a un peu de chute d'enlumineur, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne pour le moment, vous voyez. Juste, on réveille le regard, on enlève les traces de fatigue sans donner trop l'air maquillé. Le fameux liner cuivré, bien sûr que je vais mettre le fameux liner cuivré. Je vous l'ai dit, ça va pas être un maquillage original. Mais en ce moment, je me maquille que comme ça, parce que j'adore. J'en ai mis un peu plus d'un côté que de l'autre, donc on va corriger ça. Je suis sûr que j'ai une super belle tête pendant que je fais mes yeux là. Je vois ça dans le retour, ça fait peur. Et voilà. Alors toujours, si vous avez les paupières tombantes comme moi, c'est-à-dire si vous avez une paupière mobile ici qui est petite, eh bien le fait de mettre du clair, ça les fait ressortir et on a l'impression d'avoir une paupière mobile qui est moins petite que ce qu'elle n'est réellement. Alors d'ailleurs, petite information, et là ça se voit bien, vous voyez de ce côté-là, j'ai une paupière mobile qui est plus petite que de ce côté-là. Donc si vous faites cette technique-là de faire ressortir la paupière mobile en mettant du clair sur la paupière mobile, eh bien, vous pouvez aggraver en fait le fait d'avoir une paupière mobile plus grande que l'autre. Là, ça se voit plutôt bien. Je vais regarder la webcam de face comme ça, vous voyez. On voit vachement que ça, c'est plus grand que ça. Bon. Mais justement, on va corriger ça après avec du liner. Ne vous inquiétez pas, on va donc mettre un petit peu de brillant en dessous de l'œil. Par contre, là, pour le dessous d'œil, je vais peut-être pas prendre le blanc parce qu'il est clair. Je vais prendre le doré qui est à côté, vous voyez, celui-ci. Voilà, donc je prends un petit peu de doré comme ça et je vais mettre en dessous de l'œil pour dire d'avoir un peu de lumière. Là, on tapote bien pour éviter les chutes. Voilà, ne vous inquiétez pas, après on va estomper. Hein. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, juste un peu de lumière, ensuite je prends un petit pinceau estompeur, comme ça, et je vais juste flouter les bords.
sans prendre de matière, parce que je pense qu'il y a assez d'enlumineur. Alors on pourrait reprendre un peu d'enlumineur pour en mettre sous l'arcade sourcilière, mais pour aujourd'hui ça sera suffisant. Je vais pas non plus dans une soirée disco, hein. D'ailleurs, si vous vous posez la question, ce soir il y a une soirée karaoké au Divine Bar à Valenciennes. Donc si vous êtes d'humeur chantante, eh bien, vous pourrez me rejoindre là-bas. D'ailleurs, en parlant de karaoké, j'ai trop envie d'essayer Twitch Sing, qui est un jeu slash karaoké compatible avec Twitch, qui permet de faire des trucs de dingue et tout. Mais là, pareil, mon ordinateur est pas assez puissant. En voilà un autre truc que j'aurais pu faire, parce que moi, chanter en direct, je l'ai déjà fait. Hein. Quand j'étais modérateur sur mon site de chat, des fois, je chantais, je faisais plein de trucs. Et ouais, j'aurais bien aimé mettre Twitch Sing et faire du karaoké avec vous. Genre des soirées karaoké. Bah je peux pas le faire, mon ordinateur il y voudra pas. Ça rame trop. Puis alors en plus Twitch, hein, si vous passez par là, il y a peut-être des modérateurs officiels de Twitch qui sont par là, parce que oui ça existe. C'est pas compatible Linux votre truc en plus. Enfin j'avais essayé à l'époque sous Windows et je pouvais pas streamer et faire Twitch Sing en même temps, ça ramait trop. Bon, est-ce que vous avez toujours la musique de fond? Parce que ça, c'est le genre de truc que j'entends pas quand je me maquille, j'enlève les écouteurs, forcément, parce que sinon, les écouteurs se cassent la figure toutes les deux secondes. Mais quand même, je vais voir si on entend toujours cette belle et douce musique. Et non, il n'y a plus de musique! Ça n'a pas l'air de déranger les gens quand il n'y a pas de musique. Pourtant, ça doit être un peu monotone, un stream sans musique, non? Ah ouais. Et les gens, ils le disent pas qu'il n'y a plus de musique. Allez, on redémarre la musique. Et pourquoi elle plante comme ça, cette musique? Pourtant, logiquement, elle est en boucle. Ça devrait même pas s'arrêter. Pourtant, j'ai démarré l'ordinateur avant de faire ce stream. Et j'ai redémarré la box pour être sûr qu'il n'y ait rien qui plante. Eh ben, on a quand même la musique qui arrive à nous faire des faux bons, dis donc. Un vlog Divine Bar ferait plaisir tellement d'abonnés. Oh oui, mais eux, ils seront peut-être pas d'accord. Hein. Après, il faut laisser les gens. C'est bizarre, hein. J'ai pas de musique dans mes oreilles. Ah, la musique, attendez. Peut-être que. Ah. C'est la musique qui est de retour sur ce live. Bon, en tout cas, on a estompé. Alors, du coup, je vais prendre mon miroir, je vais regarder de plus près. Est-ce que c'est potable comme maquillage? Bien, donc maintenant que l'on a fait ça, on va prendre son fameux liner. C'est un liner de la marque Laetitia Veil. C'est un liner couleur cuivre numéro 16. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs couleurs qui se ressemblent. Ça, c'est le numéro 16. Je mettrai les références hein, en dessous de la VOD et là, je vais vous faire les liens après. Alors, très important parce que j'ai eu la remarque. Une remarque charmante en commentaire cette semaine sur YouTube. De quelqu'un qui n'a pas de vie qui m'a dit « Ton trait de liner du côté gauche est plus épais que le liner du côté droit. L'objectif de la caméra, ça ne pardonne pas. » Bon déjà, comment il parle celui-là? Je fais « Oh c'est bon, je ne l'ai pas agressé, pourquoi il m'agresse ?» Et donc effectivement, nous allons faire un trait de liner plus fin ici, un trait de liner plus épais là, parce que j'ai une paupière mobile plus fine ici. Une paupière mobile plus épaisse là, et vous allez voir qu'en faisant deux traits de liner de grandeur différente, eh bien on va corriger ça et on n'aura plus l'impression quand je vous regarderai de face que j'ai un œil qui est plus gonflé que l'autre. Bref, c'est parti, on va déjà faire le trait de liner fin. J'ai bien fait de remettre la musique parce que parler en faisant du liner, c'est pas évident.
Et là, on voit vachement la différence entre le côté qui a du liner et le côté où il n'y en a pas. Alors pareil, si vous faites comme ça une technique pour corriger votre paupière mobile qui est petite et que vous mettez du clair le long du ras de cils, après, il faut quand même faire un petit trait de liner ou quelque chose parce que laisser du clair le long du ras de cils, c'est pas terrible. Hein. Faut toujours un peu de foncé le long du ras de cils. Voilà. Donc je fais une minuscule virgule, ça c'était pas prévu au programme. Hein. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trait de liner de l'autre côté, côté micro. Ah, ça va pas être évident. Donc du coup je vais me retourner comme ça, voilà. Comme ça le micro il est de l'autre côté. Et c'est parti, donc là du coup, trait de liner fin de ce côté là et un peu plus épais de ce côté là. Enfin moi je sais gérer hein. Après, comme je dis souvent, faut s'entraîner hein, pour le liner. Donc, c'est parti. Vous m'étonnez que j'ai des problèmes respiratoires. Quand on met du liner, forcément, on bloque sa respiration. Et puis après, on est essoufflé. Et vous voyez, déjà là, on le voit. Hein. J'ai fait un trait plus épais là que là. Et ça corrige, quoi. On n'a plus l'impression d'avoir une paupière plus grosse que l'autre. Limite même, j'ai l'impression que maintenant, c'est l'inverse. Celle-ci, non, non, celle-ci, elle est plus petite. Vous voyez ? Donc, faut continuer comme ça à travailler pour avoir la bonne taille au niveau des deux yeux. Bon, on va vérifier ce que ça donne hein, dans un miroir de face. Je vais encore hop, épaissir un petit peu du côté où il faut épaissir. Ah, le liner, c'est compliqué. Hein. Le liner, en fait, il faut s'entraîner. Hein. Tous les soirs, avant de vous démaquiller, si vous n'avez pas mis de liner le matin, bah, vous faites un trait de liner au-dessus de votre vieux maquillage. Comme ça, vous vous entraînez. Après, vous vous démaquillez et hop. Ça fait un trait de liner en plus et vous vous entraînez comme ça. Du coup, j'ai une virgule plus prononcée que d'un côté que de l'autre. Ah. Oh oui, comme j'ai commencé à faire des virgules, on va les faire les virgules. Vous voyez quelque chose, vous ? Non mais ce liner là il est tellement bien. Alors à votre gauche ou à ma gauche? Ah, sachant que la webcam est en effet miroir. Pas évident. Hein. L'œil droit est mieux. Bah oui, mais à ma gauche ou à votre doigt? Parce que visiblement, là, l'œil que je retouche, c'est mon œil droit. Donc. Oui, c'est parce que là, j'ai la paupière qui est plus tombante. Vous voyez comment ça recouvre? Alors, il faut tricher à mort. En fait, si je tire mes deux paupières, hop, il y a trop moyen de tricher. Vous voyez, sur les photos, il suffit de faire ça, hop. Et puis, vous voyez, on a deux traits de liner potable.
Et ça, c'est quand on tire... je vais y arriver. On hausse les sourcils, vous voyez, pour faire genre. Quand je hausse les sourcils comme ça, pour une photo, ça passe. Mais en vrai, vous voyez, dans la vie de tous les jours, c'est pas évident. Hein. Donc là, je vais encore tricher du côté pour faire la virgule. Bah, c'est nickel, non, c'est pas... En fait, là, c'est nickel si je tends les paupières comme ça. Et non, 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 vous inquiétez pas, on va tricher, j'ai l'habitude. Il faut encore dépasser un petit peu de ce côté-là. Je vais l'agiter peut-être parce que là, j'ai plus assez de produit. Ah, ça serait dommage qu'il y ait déjà plus de liner dans ce flacon, tellement il est bien ce liner. Donc... La joie du liner. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Hein. J'ai l'impression qu'il y a déjà plus de produit là-dedans. Il y a combien de millilitres? 4 grammes. Oh non, j'aurais déjà fini ce liner. Imaginez quoi. Ok. Ça commence à être symétrique. Vous inquiétez pas. Allez, les yeux verts. Vous voyez que ça commence à être symétrique. En fait, je suis obligé de. Plutôt que de faire à la fin de l'œil, je suis obligé de décaler légèrement le trait de liner parce qu'à la fin de l'œil, c'est juste à l'endroit où mes paupières sont tombantes. Et ça, c'est fatigant. Pour ça que je mets pas souvent du liner parce que j'arrive à faire des traits de liner, mais c'est long. Voilà pour un côté. Oh mon dieu. Bon, vous voyez là. On a le liner qui est déjà vachement mieux, mais vous voyez, de ce côté-là, ça a imprimé sur ma paupière mobile parce qu'il faut attendre que ça sèche avant de... Avant de plier, enfin d'arrêter de hausser les yeux. Bon, sinon. Voilà. Après, il y a ce côté-là encore qu'il faut descendre. Et on va être bon. Et on aura fait un liner avec virgule alors que c'était pas prévu, vous voyez ça. Bon, après, vous inquiétez pas, quand on aura mis du mascara, de toute façon, le liner, tout de suite, il apparaîtra beaucoup plus joli. Hein.
Alors, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai un goupillon dans le coin pour enlever les traces de liner? Bon, on va attendre que le liner sèche, on fera des retouches après, comme d'habitude. De toute façon, j'arrête pas de vous le dire sur YouTube, on fait pas un trait de liner joli du premier coup. C'est bien rare, hein. Donc, un conseil, si vous êtes pressé, ne mettez pas du liner, par exemple. C'est pas toi qui disais que le liner, c'était un cache-misère, il me semble que oui. Bon, oui, c'est possible, hein. C'est possible que parfois, on utilise du liner pour cacher un truc qui est mal fait, hein. C'est pas impossible, ça. Non, je vais pas vlogger le jour du réveillon de Noël. Je vais pas vous dire ça. Limite, je vais le supprimer, le vlog de Noël, parce que tous les ans, vous me reposez la même question. Je vous ai dit que je vous ai fait un vlog de Noël, mais que, voilà, je peux pas imposer ma caméra tous les ans, à chaque réveillon. Pourquoi vous me posez la question tous les ans, et tous les ans, je vous donne la même réponse? Vous avez une réponse une fois, c'est bon? Non? Alors, si je fais ça, est-ce qu'éventuellement... Non, il va falloir que j'aille chercher un goupillon. Mais il me semblait que j'en avais un à mon bureau qui traînait. Habituellement, j'ai tout le temps un goupillon à mon bureau, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et aujourd'hui, eh ben, je le retrouve pas. Forcément. Et puis de toute façon, j'ai oublié mon gel à sourcils. Bon. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause de 5 minutes et je vais chercher donc le fameux goupillon, même si finalement le liner, comme ça, ça passe, mais je vais quand même faire quelques petites retouches. Et donc le goupillon et le gel à sourcils, bref, à tout de suite. My love moving slow, frozen to these pieces.
On est de retour en plein écran. Et donc, ce qui est génial avec ce liner aussi, hein, je vais peut-être même acheter le noir parce que franchement, il est génial. C'est que si vous avez fait une erreur de liner, il suffit de prendre un goupillon. Alors, il est là. Hein, j'allais dire, j'espère que je ne l'ai pas laissé à ma coiffeuse. Par exemple, là, vous voyez, j'ai une trace de liner sur la paupière parce que j'ai les paupières tombantes. Et il suffit de gratter comme le mascara. Et en fait, le liner se détache assez facilement. Il part en miettes. Et regardez. La tâche, on la voit plus. Et par contre, ce qui est bizarre avec ce liner, c'est que ça part en miettes, mais pas quand on le porte. Uniquement quand on le gratte. Et donc même au coin externe, hein, si vous voulez recommencer votre virgule, vous prenez un goupillon, vous grattez. Et ensuite, vous recommencez. C'est vraiment génial. Et voilà pour les yeux. Alors, on va mettre du mascara, hein, c'est parce que là, sans mascara, ça fait bizarre. Mais je suis assez satisfait pour le moment. Alors, base de mascara, toujours la Lancôme Seal Booster qui coûte un prix de fou. Je me suis renseigné hein, du prix, j'en ai parlé sur mon live. Et effectivement, cette base pour les yeux est chère, mais alors qu'est-ce qu'elle est bien. Donc moi je mets, à la place d'utiliser un recourbe cils, j'utilise la base comme ça hein, pour les cils parce que moi je trouve que ça recourbe vachement bien. Ça allonge, ça épaissit, ça sépare bien les cils. Pour moi c'est un peu un recourbe cils chimique mais je trouve que c'est plus efficace qu'un recourbe cils classique. Ah, petit problème de son. Allô, allô, allô. Encore plus de musique. La musique, elle est pas gentille avec moi aujourd'hui. Voilà, donc j'en ai mis d'un côté. Je vais reprendre du produit, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, alors attention au micro. C'est parti pour la base de cils. Bon, j'espère que c'est que la musique hein, qui coupe et que vous n'avez pas une coupure hein, au niveau du live. Alors, j'ai toujours un côté qui marque plus que l'autre. Vous voyez, là, on voit qu'il y a beaucoup de matière. Et de ce côté-là, à chaque fois, ça me fait le même effet. J'ai l'impression qu'il y en a moins. Je suis obligé d'en mettre deux couches d'un côté et une couche de l'autre. C'est peut-être parce que la base est bientôt vide. Bon, eh ben, après, il faudra trouver des alternatives. Hein. Ah. Et donc, pendant que la base pour les cils sèchent, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on va mettre du gel dans ses sourcils parce que, alors là, j'ai l'impression d'avoir des sourcils clairs, mais alors je comprends pas pourquoi. Hein. Il faut croire que la couleur naturelle de mes cheveux, c'est ça. Un gris bizarre. Fait tellement longtemps que j'ai pas vu la couleur naturelle de mes cheveux. Là, je les brosse parce que, voilà, hein, je me dis que peut-être il y a du fond de teint dans mes sourcils. Et en fait, ben, pas du tout, quoi. Vous voyez ça? C'est pas que j'ai du fond de teint dans les sourcils, c'est qu'ils sont vraiment moches. Donc, hop, j'ai la sourcil. Mon Dieu, où es-tu? Là. Et donc, c'est le Max & More, le 223 Mid Brown. Et je vais prendre donc ce gel à sourcil et je vais en mettre, mais légèrement.
Vous avez vu le changement quand même avant après. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Ah, la base en format normal, il me semblait qu'elle était à presque 40 euros. Hein, je vais vous dire ça. Le petit format, c'est-à-dire, pour moi, c'est un échantillon. Hein, parce que là-dedans, il y a... Mais bon, maintenant, ils vendent les échantillons. Il y a 4 millilitres. Avant, on avait ça gratuitement dans des magazines, parfois. On achetait le magazine 2 euros. Et on avait un échantillon de cette taille-là, 4 millilitres, avec le magazine. Dans le temps, je me souviens, j'en ai fait des articles sur mon blog pour annoncer les bons plans quand il y avait ce genre de mini mascara offert dans les magazines. Ça, c'est 14 euros maintenant. 14 euros les 4 millilitres. Vous vous rendez pas compte, quoi, quand même. Mais alors maintenant, si on regarde le prix de la base Lancôme Seal Booster. Attention, elle est à 30 euros. Ouais, mais alors elle est à 30 euros sur le site de Lancôme et à 33 euros sur le site de Sephora, c'est-à-dire que Sephora la vend plus cher que le site officiel de Lancôme. Sephora, il y a des moments, je me demande ce qu'ils font au niveau des prix, parce que c'est cher chez Sephora. C'est la parfumerie la plus chère quand même. À ce prix-là, vaut mieux l'acheter chez Lancôme. Hein. Chez Nocibel, elle est à 32,50 €, alors que chez Lancôme, elle est qu'à 30 euros. En fait, tous les sites... Enfin, beaucoup de parfumeries, en tout cas, vendent ce produit plus cher que sur le site d'origine. C'est-à-dire qu'avant, on achetait, par exemple, sur le site de Chanel ou le site de Dior, on payait plus cher que chez Sephora, parce que c'était le prestige, on achetait directement la parfumerie. Maintenant, c'est devenu l'inverse. Eh ben. Et donc également eh bien, pour ce gel liner, si vous voulez faire des retouches, c'est simple, vous attendez que ça sèche et après ça s'enlève au goupillon, comme l'eyeliner, le gel à sourcils d'ailleurs, je viens de dire une connerie. Bon, ce gel à sourcils s'enlève également avec un simple goupillon, ça c'est cool pour faire les retouches. Et ouais, regardez-moi ça, c'était moche et ça devient beau. C'est la joie du maquillage. De toute façon, maquillage, c'est ça. Il faut pas avoir peur d'en mettre, d'en enlever, d'en remettre, d'en enlever. Je vais repasser un petit coup mon fond de teint au niveau ici parce que c'est peut-être un petit peu rouge. J'ai une peau qui marque facilement, malheureusement. Et on va bientôt être bon. On va pouvoir mettre le mascara à la fin de ce Get Ready With Me. Mon Dieu, je me trompe de pinceau. Ouais, j'essaye de faire en sorte que ce soit symétrique, hein, si vous demandez ce que je fais. Parce que même mes sourcils sont pas symétriques, j'ai vraiment pas été gâté, moi. Ah, voilà qui est pas mal. Alors, je vais juste... descendre un petit peu le sourcil là, vous voyez, en remettre un peu pour l'épaissir en bas et peut-être en enlever là. Ah. En fait, j'ai un sourcil plus épais que l'autre et je pourrais désépaissir celui que je suis en train de maquiller là. Pour avoir deux sourcils fins, mais moi ça m'intéresse pas deux sourcils fins.
C'est ça le problème que j'ai. Quand je vais voir les esthéticiennes pour les épilations sourcils, à chaque fois, on va faire deux sourcils pareils. Donc on va affiner le sourcil qui est plus épais que l'autre. Parce que l'autre, on ne peut pas en rajouter des poils, donc on m'en enlève. Et après, je vais avoir des sourcils super fins comme tout le monde. Et je vais devoir tout simplement faire du tatouage parce que j'aurai des sourcils qui seront trop fins. Et donc, il n'y aura plus de poils qui vont pousser. Hors de question. Puis alors, quand je vois comment ça fait mal de faire du tatouage à ce niveau-là. Hop, et je vais prendre un petit pinceau estompeur pour corriger quand même là ici un petit peu, enlever les traces foncées qu'il peut y avoir, et ça va être bon pour les sourcils. De toute façon, je peux pas faire mieux, il faut vraiment une restructuration du sourcil là en ce moment. Bon, c'est pas mal hein. Bon, j'ai quand même la tête là que j'ai un peu trop coupée, vous voyez. À force d'en enlever, j'en ai trop enlevé, donc je vais en remettre. Azudem, c'est pas le même processus, pas la même machine non plus, heureusement d'ailleurs. Moi, je parle pas des machines, je parle pas du tatouage en général. Je parle que toutes les personnes qui ont fait du tatouage sur leurs sourcils semi-permanents, elles ont souffert. Il y a même mon bloc de filles, pour ne pas la citer, qui a fait le tatouage, elle a même pas fait les retouches tellement que ça faisait mal. Alors si c'est pour faire le tatouage sans les retouches, c'est même pas la peine. Hein. Je suis pas satisfait de mes sourcils. Qu'est-ce qu'ils ont? Faudrait que je tire quelques poils là pour que ce soit plus joli. Et après, c'est ce que je dis, si je tire quelques poils là pour que ce soit plus symétrique, je vais avoir des sourcils fins. Et à force de se dire, j'en enlève là pour que ce soit symétrique, j'en enlève là pour que ce soit symétrique, à la fin, on affine trop nos sourcils. Et on doit faire du tatouage, donc je vais m'arrêter là. On va dire que les sourcils, ça ira. De toute façon, je vais pas défiler pour Jean-Paul Gaultier ce soir. C'est pas l'envie qui manque. Alors, on va mettre du mascara. Je pense que c'est ça aussi qui fait bizarre dans ce maquillage. C'est qu'il n'y a pas de mascara. Donc, on va en mettre. Le Secret Al de Belle. C'est toujours le même mascara que j'utilise depuis plusieurs mois. Et il se finit pas rapidement, ce mascara. Et, il conserve bien. Et donc, effectivement, petit zigzag. Donc moi j'en mets d'abord en racine et après j'oublie pas d'en remettre sur les pointes parce que j'ai les cils plutôt bien recourbés grâce à ma base Lancôme. Et j'ai remarqué que si on partait droit de la racine et qu'on avançait droit, eh bien ça n'en mettait pas beaucoup sur les pointes. Il faut faire une courbe avec sa brosse de mascara. Donc là, c'est la première couche de mascara, donc je vais mettre deux couches de chaque côté. Moi, j'ai vu des vidéos sur le microblading, on prend carrément un cutter et on te coupe. Ça me fait peur, moi, ces trucs-là. De toute façon, je vous avais dit que je ferais une vidéo avec mes sourcils parce qu'on va tester les colorations pour sourcils Camélo qui se vendent chez Action. Et je pense que là, clairement, si
je fais une coloration pour sourcils et que j'ai un sourcil qui est deux fois plus gros que l'autre et que ça se remarque plus parce que je les ai colorés, je serais bien obligé de tirer quelques poils. Faire une vidéo en collaboration avec mon amie esthéticienne, elle en a fait des teintures pour sourcils. Je suis sûr, elle va me dire mais faut épiler avant de faire la coloration, pas après. Je vais lui demander d'ailleurs s'il vaut mieux épiler avant ou après, tiens. Parce que par contre, si on épile après, la peau est irritée par la couleur. Si on épile avant, la peau est irritée par l'épilation. On peut peut-être même pas faire les deux le même jour. Ah, on s'en pose des questions, dis donc. Qui a déjà fait des teintures de sourcils en institut ? On vous a épilé les sourcils en même temps, est-ce que vous l'avez fait avant ou après ? Et bien sûr, maintenant, je vais mettre du mascara, hein, pas de l'eyeliner. Non, c'est déjà fait, du mascara sur les cils du bas. C'est parti. Et vous voyez rien, comme d'habitude. Et c'est vachement mieux avec du mascara quand même. Voilà pour le mascara. Donc, je vais enlever les petites taches éventuelles, comme ici, parce que j'ai ma brosse de mascara qui a frôlé ma peau. Puis, ma foi, je m'en suis plutôt bien sorti. Hein. Ce mascara-là, j'arrive à l'appliquer facilement. Ah, l'huile de ricin, ouais, faudrait que je réessaye l'huile de ricin, mais moi j'ai de l'huile de ricin hyper épaisse et j'arrive pas à l'enlever des cheveux après. Alors je sais pas comment vous faites. La question c'est pas comment on utilise de l'huile de ricin, c'est pas est-ce que l'huile de ricin c'est bien, c'est qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez fini votre bain d'huile à l'huile de ricin. Bah oui, glouton gourmand, il faut pas m'ajouter en ami sur Snapchat parce que j'ai plus de place dans ma liste d'amis. Il faut regarder une de mes stories et cliquer sur suivre, visiblement. C'est ce qui a été dit dans ce chat. Moi, je ne sais pas, je peux pas me suivre moi-même. Ah, voilà. Je suis en train d'intensifier quand même ce sourcil-là. Et je me rends compte que c'est plus joli. Ça me gênait mes sourcils qui étaient pas beaux. Voilà. Là, regardez-moi ça. Bah écoutez, en plus dans cette webcam, effectivement, les sourcils, ça ressort pas très bien. Donc on va s'arrêter là pour les sourcils. Hein. Alors copie le pseudo, glouton gourmand. Après, effectivement, comme j'ai pas fait de story aujourd'hui, comment me suivre sur ma story, sachant qu'il n'y a pas de story en cours.
C'est compliqué Snapchat. Hein. Après, vous appelez le support Snapchat, hein. Contactez le support Snapchat, hein, parce que moi aussi, ça me saoule ces trucs-là, que je sais pas comment ça marche. Ça doit être ça, en fait. Je pense que si j'ai pas de story, si j'ai rien publié sur Snapchat et que vous voulez me suivre, c'est pas possible. Parce qu'il faut ouvrir la story. Mais là, la story, aujourd'hui, par exemple, elle n'existe pas. Et après, me suivre une fois qu'on est dans la story. Vous voyez ? Ça doit être ça l'histoire. Mais oui, elle n'apparaît pas la story parce que j'en ai pas faite. Il faudrait que je publie un, truc pour que vous puissiez me suivre. Eh ben, on fera une photo une fois que le maquillage y sera fini. J'ai un petit paquet là au niveau du mascara, il m'agace. Ah, ça c'est perfectionniste. Voilà qui devrait être mieux. C'est déjà mieux. Bon allez, hein, on va finir ce maquillage, hein, puisque là ça fait beaucoup trop longtemps, enfin ça fait vachement longtemps que je suis avec vous quand même. Et puis moi, il va être l'heure que j'aille à l'anniversaire du Portos. Ah. C'est mieux avec plus de mascara en bas, je trouve, parce que quand on a du liner... Ça a tendance à bouffer les cils. Hein. Après, on voit plus les cils. Et donc, on a un air bizarre. Donc, beaucoup de mascara quand on a du liner, comme d'habitude. C'est pour ça que souvent, on met des faux cils. Mais alors moi, je supporte pas les faux cils. Puis alors, avec mes lunettes, je peux pas mettre trop de faux cils, parce que sinon, après, ils touchent les verres. Ou alors, il faut des faux cils super recourbés, mais j'ai les paupières tombantes. Ok, alors, avant de mettre mon blush, car je ne sais pas si je vais mettre du blush en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon rouge à lèvres, parce que en fait, bon, ça se voit pas à la caméra, elle est mal réglée, mais en vrai, j'ai des rougeurs et bah, y a peut-être pas besoin de blush. Donc on va tester tout ça. Alors, j'ai pris le cristal praliné, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Dans la gamme Color Rich, c'est le 340. Et c'est un nude. Voilà, un nude mais un petit peu métallique. Je me suis dit je vais mettre ça. Comme ça, en mangeant, il va partir. Et après manger, j'en remettrai. Parce que parfois, quand on utilise du mat longue tenue, on mange, il s'en va un petit peu. Et après, quand on essaye d'en remettre au-dessus, on n'arrive pas à en remettre. Ça part en croûte. Donc moi, je préfère finalement un rouge à lèvres normal. Il va partir, mais je vais en remettre. Alors qu'un longue tenue, il va presque pas partir, mais il va partir un peu. Et quand je vais en remettre, après, ça va être la catastrophe pour les retouches. Ce rouge à lèvres, là, je l'avais complètement laissé de côté. Parce qu'il me plaisait plus. Et là, vous voyez, en automne, je le ressors. C'est vrai que c'est une couleur automnale.
C'est un peu rouge orangé. C'est pas mal, hein. Puis ça va bien avec le liner métallique, je trouve. Bon, voilà pour donc ce rouge à lèvres. Et maintenant, comme j'ai mis mon rouge à lèvres, eh bien, je vais pouvoir voir si j'ai besoin de blush. Et effectivement, le fait d'avoir mis du rouge sur les lèvres, bah, ça a fait disparaître mes rougeurs. Donc j'ai l'air un peu pâle, donc je vais mettre un blush. Un blush que j'aime bien, c'est le Yorom numéro 03. Ne me demandez pas, ça vient de chez AliExpress, il n'y a plus moyen de le retrouver. Mais alors, c'est ma couleur préférée. D'ailleurs, si vous connaissez des blushs qui ont cette couleur, parce que là, par contre, le blush ressort plutôt bien à la caméra. Voilà, faut que je le recule pour qu'il ressorte bien. Mais vous voyez, c'est un genre de presque rouge brique, en fait. Et ben, si vous connaissez ce genre de... C'est pas rouge brique, hein, c'est orangé brique. Ouais, on peut pas dire que c'est rouge. Si vous connaissez ce genre de blush assez doux, ben, dites-moi où ça se trouve. Parce que, effectivement, c'est le genre de blush qui me va le mieux. Parce qu'en fait, bon, ça fait un effet blush, hein, mais très léger. Vous allez le voir, hein, d'ailleurs, que ça fait léger, hein. De toute façon, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai des rougeurs, mais on voit quand même la différence un petit peu, même à la caméra. Et vous voyez, c'est hyper léger, mais moi, c'est ce qui me va le mieux. Alors, puis alors, on va mettre en arrière aussi. Il y a Glouton Gourmand qui me dit, il y a un salon des arts divinatoires à côté de chez moi ce week-end, tu veux quelque chose? Ben, c'est très gentil, mais j'ai besoin de rien pour le moment. J'ai déjà tellement de choses chez moi, si vous saviez. J'ai déjà fait un live sur ce que j'avais. Hein. Je vous ai montré des petites choses. Est-ce que vous vous souvenez? J'ai pas du tout l'impression que le blush soit symétrique dans la caméra, alors qu'en vrai, il l'est. Il y a trop de lumière d'un côté. Alors, c'est de ce côté-là qu'il y a plus de lumière. Peut-être, je sais pas. Bon, on a mis du blush, ben, il nous reste plus qu'à mettre de l'enlumineur et ce sera la fin de cette vidéo. Hein. De ce live même, parce que là, on n'est pas vraiment en vidéo, on est en live. Alors, vous voyez, c'est ce côté-là. Il y a l'impression qu'il y a moins de blush, alors qu'en vrai, il y en a plus là. Il est peut-être un peu plus haut, attendez. On va le descendre un petit peu, c'est peut-être pour ça. Voilà. On va le mettre un peu plus bas. Bon, et donc maintenant, tout simplement, de l'enlumineur. Alors, je ne sais pas lequel je vais mettre. Parce que j'ai beaucoup de choix. J'ai plusieurs choix. Étant donné que... Bah, je me suis maquillé avec des enlumineurs, donc on a le choix là pour les enlumineurs. Hein. On peut faire un rappel avec ce petit très clair jaune un petit peu là, en prenant pas beaucoup parce qu'il est assez pigmenté. Et hop, si je mets ça ici, qu'est-ce que ça donne? Oh, je crois que ça va être joli ça. Bon, je vais prendre un miroir, ce sera mieux que le retour, mais déjà à l'écran de retour, on voit que c'est joli. Ah ouais, c'est trop beau. Je fais pareil ici. Je vais en reprendre un petit peu pour que ce soit symétrique. Et de toute façon, après, comme je vais me repoudrer le visage avant de partir, il est possible qu'on voit plus beaucoup l'enlumineur. Donc autant en mettre beaucoup dès le départ pour espérer le voir un peu une fois que j'aurai repoudré mon visage. J'en prends un petit peu. Alors là, à la caméra, ça se voit hyper fort. Ici, vous voyez, j'ai une ombre. Ça fait un front encore plus proéminent à cause de cette ombre. Et regardez, on va mettre de l'enlumineur dessus. Et franchement, alors comme la webcam, visiblement, ça pardonne moins qu'un caméscope quand je fais mes vidéos sur YouTube. On voit vraiment plus les imperfections. Mais vous voyez, là, vous voyez en direct.
la correction de ce creux qu'on voyait grâce à l'enlumineur. Et là, vous voyez le creux, on le voit presque plus. Et du coup, eh ben, ça fait plus lisse là, plus joli. Alors en vrai, il faut que j'estompe encore un peu et que j'en mette un petit peu plus bas, mais vous voyez, vous avez eu la démonstration en direct de ce que peut faire le maquillage. Et moi, comme j'aime bien avoir un visage très lisse, et que là, on le voit également. Vous voyez, ici, j'ai des ombres. J'ai même là, oh là, vous voyez, c'est en train de se casser la figure. Eh bien, hop, un petit coup d'enlumineur ici aussi. Pas vraiment sur le menton, mais au-dessus du menton. Dans le creux, là. Et voilà. Alors, faut y aller avec parcimonie hein, sur le menton. Et bien l'estomper. Bien, le maquillage est terminé, mais c'est pas encore tout à fait fini. En tout cas, je vais me presser parce qu'il est l'heure que j'y aille, effectivement. Allô, allô, allô. Oui, alors, petit bug, voyez. Moi, j'aurais cru que ça aurait bugué pendant... Comment vous dire? Pendant que je branche la sonde, là, pendant le test de la sonde, et finalement, non, ça a planté à un autre moment. Voilà. Ah oui, donc, c'est à quel moment que ça a coupé, d'ailleurs? C'est quoi que vous n'avez pas entendu? J'en étais arrivé où dans le maquillage, dans les explications? Là, j'étais arrivé à la coiffure, hein. Mais bon. Et merci à Nouveau Cib Pro qui aime mon stream, qui va recevoir les notifications et qui ne loupera plus aucun live. Avant que tu parles de tes cheveux, quand tu as commencé à te coiffer. Ah bon, vous avez rien loupé, alors ça va, on est synchro. Je disais donc que j'avais des belles ondulations naturelles dans mes cheveux, vous voyez. Je sais pas si vous avez remarqué ça, alors que pourtant, j'ai pas mis de bigoudi, j'ai rien fait. Et donc, je voulais garder ces ondulations. Par contre, le truc, c'est qu'effectivement, là au-dessus, vous voyez mes racines, comment elles sont plus foncées, quoi. Et pourtant, j'essaye de les éclaircir avec des produits et tout, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc, je pense que je vais quand même devoir faire une raie sur le côté, vous voyez. Est-ce que ça serait mieux? Bah ouais. Alors, le problème quand on fait une raie sur le côté, c'est que de ce côté-là, je perds en matière, puisque je prends des cheveux de ce côté-là pour les mettre de l'autre côté. Donc, du coup, c'est compliqué, hein. Et on a Gekka qui aime mon stream, qui va donc eh bien, recevoir les notifications et qui ne loupera plus aucun live. Donc je vais prendre une brosse, normalement j'en ai une derrière, dans mon sac à main. Si tant est que mon sac à main est derrière, bien sûr. Bien sûr. Hop, parce que là, pareil, à côté de mon bureau, normalement j'ai une brosse, mais alors elle a décidé de partir en voyage, c'est pas grave. Brosse de secours, attention, vous n'êtes pas prêts. Et je vais me faire une petite raie sur le côté, mais je vais pas lisser mes cheveux ni rien. Et puis ça sera tout pour ce Get Ready With Me. Ah oui, eh oui. Eh oui, parce que là il est l'heure. Plus que l'heure même. On a un petit 11 minutes de retard, mais bon, ça va. Je suis jamais à l'heure de toute façon. Faudrait que j'essaye un coup, en vidéo, le petit spray qui m'a été offert. Vous savez le spray rouge? Ah, faut pas que je brosse trop parce que ça enlève les boucles par contre. Hein. Comme j'ai commencé à les détendre, on va les détendre partout maintenant. Mmh. Oh bah voilà, ah ouais, vous voyez, voilà, voilà à moitié parce que, vous voyez, on voit encore vachement mes racines. Hein. Alors avant le semi-permanent, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le mauvais sens.
Avant le semi-permanent, j'arrivais à avoir un effet un peu orangé sur mes racines avec. Maintenant, ça veut plus prendre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, eh bien, écoutez, il faudra que j'essaye un produit éclaircissant. J'ai encore acheté un nouveau shampoing qui est à base de camomille et de citron. Parce qu'on m'a dit que l'acide citrique, effectivement, eh bien, ça permettait d'éclaircir les cheveux. Donc, j'essaierai de poser de l'acide citrique pour voir. Mais, effectivement, ça me pose problème, moi, cette racine. Parce que j'adore la couleur de mes cheveux, mais j'aime pas mes racines. Ou alors, il faut que je refasse une coloration blonde pour rééclaircir mes cheveux. J'ai peur que ça abîme les pointes. Ou alors il faudrait que j'applique que la coloration éclaircissante sur les racines, mais alors moi j'ai pas les compétences nécessaires pour faire ça. Hein. Donc voilà, petit problème de couleur de cheveux en ce moment, mais sinon voilà le résultat. C'est très automnal. Là je vais détendre un peu de ce côté-là, parce que j'ai plus de boucles d'un côté que de l'autre, et c'est gênant. Bon, de toute façon ma coiffure va vivre, hein. Je vais manger après, etc. avec la chaleur, l'humidité. Il est possible que les boucles reviennent avec l'humidité même parfois, ou il est possible qu'elles disparaissent. Alors, je vais décaler mon micro un petit peu, comme ça je vais vous montrer le résultat, et puis après, eh bien, il sera l'heure de se quitter. Bon, on va retourner rapidement dans la catégorie Just Chatting pour se dire au revoir quand même, sachant qu'on a le nouveau créateur dashboard qui a l'air de super bien fonctionner. Donc montrez-moi ça, il est où? Ah oui, c'est parce que j'ai ouvert plein d'onglets là. Bon, pour les liens, j'avais dit que je ferais les liens au fur et à mesure, mais c'est un petit peu boring, c'est un petit peu chiant de faire les liens. Donc du coup j'ai abandonné l'idée et soit je ferai les liens de mon côté, soit ça sera comme ça, et puis il faudra eh bien rechercher de votre côté grâce à Google, hein, les produits donc que je porte. C'est vrai que parfois voilà on parle de certains produits et eh bien c'est pas facile de retranscrire le nom du produit. Je vais par exemple dire la Glow and Highlight Palette de chez Action. Si vous savez pas écrire Glow and Highlight, c'est mieux de l'avoir écrit en dessous dans la description. Je vais voir ce que je peux faire pour faire tout ça. On retourne en Just Chatting. Just Chatting, qu'est-ce que vous mangez de bon vous ce soir? Les repas du samedi soir. Chez mes parents, les repas du samedi soir, c'était toujours des repas un petit peu mieux finalement que les autres jours. Donc nous ce soir c'est les lasagnes de Monsieur Beauté en Herbe. Et puis après on a pris une petite tarte au flan parce qu'on s'est dit quand même que pour un chien, un des gâteaux quand même qui serait les moins pires, ce serait peut-être de la tarte au flan. Alors il en aura un tout petit bout, mais alors vraiment minuscule, hein, parce que c'est pas très bon le sucre pour les chiens. Mais bon quand même c'est son anniversaire, donc petit effort de fait. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, un bon dimanche demain. On se retrouve demain. J'avais un truc. Ah, ne partez pas, j'ai un truc à vous montrer. Alors, si vous m'avez sur Discord, visiblement, on va se remettre comme ça, ça sera mieux. Si vous me suivez sur Discord, sachant que mon Discord est en privé, donc il y a très peu de personnes qui me suivent. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont présentes ici et qui ont mon Discord. Bref, si vous me suivez sur Discord, vous avez déjà vu ce que je vais montrer. Pour les autres, ça va être un scoop. Je vais vous montrer une image. C'est tout simplement, alors oui, voilà, image, oui, fichier image, parcourir, oui. C'est tout simplement, eh bien, l'aperçu de ma prochaine vidéo, comme ça vous saurez en avant-première, eh bien, tout simplement à minuit, quelle vidéo va être mise en ligne sur ma chaîne YouTube. Image. Faut pas que je me trompe d'image. Voilà pour l'image. Et attention, on se retrouve, eh bien, dès minuit. Oh mon Dieu, elle est grande, hein, l'image, on va la réduire, hein. On se retrouve dès minuit pour, eh bien, cette vidéo. Vous aurez compris ce que c'est, hein, tout simplement. Ah, eh oui. Donc j'ai testé la petite poêle en fonte et non pas en fer forgé, car j'ai dit dans une vidéo précédente que c'était une poêle en fer forgé alors que c'est de la fonte, ça n'a rien à voir.
Et j'ai fait le petit cookie Smarties et j'ai également fait des petits trucs, d'autres petits trucs dans cette poêle, parce que le but c'était de tester la poêle. Je vais me redécaler et redécaler le micro, voilà qui est mieux. Donc voilà, ça sera disponible à minuit sur ma chaîne YouTube. Moi je vais refaire un petit tour au niveau donc des... Eh bien, des habitués qui me suivent, donc merci à Xundi, en tout cas, qui a activé les notifications, qui ne loupera plus aucun live. Également, on a eu Greshka, merci à toi, on a vu Novo Cipro, Cipro. Ok Chloé, on a eu Soukaina Jamaledin, on a eu Lamazorus, Manpa également, merci à Copper647, mais enfin lui il a été banni, à ce que j'ai compris, il est venu, il est reparti, la Kikine de Feuge également on a. On a eu aujourd'hui, eh bien, Nobody Camera 383, Kakutik qui m'a suivi, et c'est déjà pas mal. Eh bien, merci à vous tous, merci de votre présence sur ce live. Moi, je vous donne rendez-vous à minuit dans la partie commentaires, parce que ben, forcément, je serai sûrement connecté au moment où ma vidéo se publie. Et puis, ben, la semaine prochaine, vendredi, normalement 17h-20h, s'il y a un problème, si je ne peux pas être en direct vendredi prochain, vous serez tenu au courant sur Twitter. Donc le mieux c'est d'activer les notifications en suivant ma chaîne sur Twitch. Vous cliquez sur le petit cœur qu'il y a à côté du lecteur de vidéo et active les notifications, et comme ça vous êtes au courant si je live un jour où c'est pas prévu, parce que c'est ça ce qui est bien avec les directs, c'est qu'on peut faire des directs quand on a le temps et un peu n'importe quand, n'importe où même, puisqu'on peut faire des directs grâce à son téléphone maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à activer les notifications. Moi, eh bien, en tout cas, je vais vous envoyer vers quelqu'un, parce que c'est ça la tradition, en fait, sur Twitch, c'est que lorsqu'on finit, eh bien, une diffusion, on peut envoyer ses spectateurs vers un autre live. Alors, qui est en direct en ce moment? Eh bien, on va regarder. Moi, s'il y a un streamer en particulier, je vais vous envoyer automatiquement là-bas parce que je l'aime beaucoup. Mais est-ce qu'il est en direct? Non. Ah. Ah. Monsieur Encre Mécanique n'est pas en direct. Donc. On va aller voir est-ce qu'il y a des personnes qui font du maquillage. Car on a fait des belles découvertes, notamment une drag queen canadienne qui parle un peu anglais et un peu français. C'était génial son maquillage la dernière fois. Donc, ah, on a un drag make-up et mukbang. Est-ce que ça vous dit un drag make-up et mukbang en même temps? Alors là, original. Original, je pense qu'on va, aller voir cette personne. Oui. Alors, comment ça fonctionne la nouvelle version de ce gestionnaire de... Et le Vush qui aime mon stream. Ah, le Vush qui va recevoir les notifications, qui ne loupera plus aucun live. Je vais lancer une pub. Non, lancer un raid. Oui. Ah oui, on peut lancer des pubs maintenant, mais moi je ne suis pas encore rémunéré sur Twitter, je ne sais pas si ça fonctionne. Mais si un jour j'active effectivement eh bien, le partenariat, là, l'histoire d'affiliation, machin truc... Eh bien, je pourrais mettre des pubs pendant les pauses, sachez-le. Et si vous êtes pas sage, eh bien, tout simplement, j'activerai les pubs également. Voilà, eh bien, écoutez-moi, en tout cas, j'espère que ce live vous a fait plaisir. Vous le retrouverez donc en VOD sur la chaîne Beauté en Live. Et bien, je vous laisse avec Son of Ellie qui fait un mukbang et visiblement un make-up drag. Et je vous donne rendez-vous donc ce soir à minuit, à partir de minuit sur YouTube, pour ma prochaine vidéo dans laquelle je teste un petit kit de jeu action avec une poêle en fonte et une petite préparation à cookies. À tout à l'heure.